Et bonsoir tout le monde. Alors, petit switchage, voilà, je passe en mode webcam. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Raikaïr. Bonsoir Massir94, bonsoir Karigan. Donc, finalement, il y a des gens, je m'attendais à pas grand monde ce soir parce que c'est un long week-end, du coup, il y a pas mal de gens qui partent en vacances. En plus, que ça fait longtemps que j'ai pas fait de live aussi. Donc c'est plutôt cool de vous avoir ce soir pour un petit live de décompression entre deux révisions, même si je dois l'avouer, j'ai pas énormément bossé non plus. Hein? J'ai surtout pas branlé grand chose alors que j'ai 4 parcelles la semaine prochaine, ça va être trop drôle. Ah, mais là j'en avais marre de faire des arbres de calcul et des trucs comme ça ou étudier des cartes mères parce que. Mine de rien. Ça, étudier ce genre de merde, je sais faire, mais c'est quand même pas facile. C'est quand même un peu chiant au bout d'un moment. Voilà, donc j'en avais marre. T'entends rien? Comment ça, t'entends rien? Vous m'entendez pas du tout? Attendez. Est-ce que ça bug? Est-ce que ça bug ou est-ce que c'est toi? Je vais m'écouter en arrière. Allez, charge. Attendez. Non, non, si c'est bon, normalement le son est bon. Donc ça devrait être bon. On m'entend moyen. Ah, pourtant je suis à fond. J'ai monté un petit peu le. Bonsoir Nonos01. J'ai monté un petit peu le gain du micro. Est-ce que c'est mieux? Voilà, normalement ça devrait être mieux. J'ai monté le gain. Est-ce que ça va mieux? Dites-moi. Dites-moi, dites-moi. Normalement, ça devrait être mieux. Parce que là, je peux pas monter plus les décibels du micro, je crois. Filtre. Il y a un noise gate, ok, mais. Ah, si je peux monter encore le gain, mais je pense que si je le monte direct comme ça va être pourri. Ok, c'est cool, c'est bon, c'est parti, on va pouvoir y aller. Donc, il y en a qui m'ont demandé de faire du sport, mais je me sentais pas trop de faire du sport ce soir. Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, et en plus de ça, bon. Je n'avais rien préparé, parce que la fois dernière, je voulais faire des aventures, mais j'ai rien préparé. Du coup, là, on va passer sur un autre jeu, c'est l'occasion de faire d'autres trucs. On va passer sur un autre jeu, c'est Factorio. Alors, j'ai déjà fait des vidéos dessus, il y a longtemps. Je sais plus quand, mais il y a longtemps. J'avais même fait tout un tuto et tout. Et donc là, j'avais envie d'y rejouer parce que c'est mine de rien, c'est un jeu indépendant qui a beaucoup de mises à jour. Et les mises à jour sont conséquentes. Et il est vachement cool. Du coup, je me dis, on va y repartir un peu dessus. Ça va être plutôt fun. Ça va être plutôt fun, fun, fun. Donc, alors. On va changer de. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà. La question, c'est. Ouais, ça devrait être bon. Non. Je me replace devant la caméra. Voilà, c'est bon. Ok, donc Factorio, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de gestion. Oui. Je sais pas trop en fait vraiment, si le qualificatif gestion lui va bien. C'est un jeu, bon, disons de gestion, où il vous faut construire une méga usine pour vous échapper d'un. Comment s'appelle, d'une planète, où en fait c'est une planète alien, vous êtes à écraser dessus et il vous faut vous échapper de cette. Un jeu jouable en multi me demande ce que ça peut donner, si c'est conflit entre les joueurs ou sort de coopération. Il y a les deux, je crois. C'est un jeu de gestion où vous êtes un petit Pékin et il vous faut construire une méga usine pour faire des trucs de gros malades. Le mieux c'est que je vous montre parce que c'est vraiment compliqué à expliquer. On va faire rapidement une partie de merde, juste pour que je vous montre un petit peu comment ça se goupille. Hop, je vais générer une carte à la con. Oui, alors les astuces, on s'en fiche. Ceci est le mode de libre de Factory. Oui, je sais. Tab. Alors, voilà, maintenant que vous êtes sur cette carte, ça fait longtemps que j'ai pas joué d'ailleurs. Vous êtes sur une carte, vous voyez, c'est un peu pixelisé, c'est pas très très joli, mais en même temps, le... Oh, merci pour le follow, Nonos. En même temps, la palette graphique est plutôt cool. Moi, j'aime beaucoup ce petit style. C'est épuré, mais c'est vraiment cool.
Alors, vous avez différents matériaux en fait qui sont disponibles sur la carte. Par exemple, vous avez du cuivre, que des mines. Par exemple, vous voyez ici, il y a plein de minerais de cuivre. J'ai déjà regardé tes anciens épisodes que tu avais fait dessus. Ouais, ils sont cool, hein. Même s'il y a eu beaucoup de mises à jour depuis, du coup, ils sont plus très à jour. Donc, vous avez des trucs de cuivre qui vous permettent de récolter du cuivre pour en faire des plaques, des fils de cuivre. Des fils d'abord ou des plaques? Je sais plus. Ouais, voilà. Il y a toute une chaîne de production en fait dont on se base d'abord sur du cuivre, du charbon pour l'énergie essentiellement. Et là, je vois du fer un petit peu sur ma carte. Hop. Voilà. Donc, il y a du fer aussi comme ressource disponible, de l'eau et je ne vois pas de point. Voilà, ça, c'est des flaques de pétrole où on peut récolter du pétrole dessus. Donc, avec ces trois éléments de base, vous êtes capable de faire énormément de choses. En tout cas, vous aurez possibilité de faire vraiment, vraiment beaucoup de choses. Des outils de construction qui vous permettront ensuite d'automatiser en fait la création d'objets. La finalité du jeu, en fait, c'est. Oula, voilà, j'ai ouvert l'arbre de recherche. C'est de rechercher plein de recherches. Rechercher plein de recherches, vous voyez la redondance, c'est fou. Je sais parler, c'est dingue. Et donc, vous avez plein de technologies. Vous les recherchez à l'aide de comment ça s'appelle, de fournitures de recherche qui nécessitent des composants. Donc il faut crafter les composants, puis crafter les fournitures de recherche. Et donc plus ça va, plus il en faut. Et à chaque fois que vous débloquez une nouvelle technologie, ça vous permet donc d'automatiser encore plus votre base. Donc transformer un truc en une véritable usine. Et au final, pour arriver sur les dernières recherches, le silo à fusée qui permet de lancer une fusée dans l'espace et de gagner la partie, où il vous faut 1000 fournitures de recherche niveau 1, 2, 3, 4. Et ça prend du temps et du temps et du temps. Salut l'OFK. Je ne sais pas si je prononce bien ton pseudo, j'ai du mal avec les pseudos. D'ailleurs, il est disponible dans le démo si vous avez envie de tester en même temps que le live, ou plus tard si vous n'avez pas deux écrans pour faire les deux à la fois. Oui. Il est disponible pour 20 € je crois sur Steam. Moi je l'ai acheté à 10 parce qu'il n'était pas encore sur Steam et il était en alpha tout ça et je l'ai acheté il y a longtemps. Et je ne regrette pas parce que je me suis vraiment éclaté. Et donc vous avez vraiment un gros 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 paquet de recherches qui vous permet de débloquer énormément de technologies différentes. C'est assez foufou, vous pouvez faire vraiment énormément de choses, c'est assez dingue. Regardez des vidéos sur YouTube, je pense qu'il y a moyen de voir des gens qui font des trucs de gros malades. Mais genre vraiment de gros malades, c'est comme ceux qui arrivent à faire un processeur 8 bits dans Minecraft, c'est des fous. C'est des fous. Voilà, et donc vous arrivez jusqu'à cette technologie, donc vous voyez l'arbre de technologie qui est quand même vachement imposant. J'ai des cuts assez souvent, j'ai zéro drop. J'ai zéro drop, donc ça vient pas de moi. Enfin. J'ai zéro image perdue, je suis à 3K de. Ouais, presque 4K en kilobits par seconde, donc normalement ça passe. Je suis en fibre, en grosse fibre Indus, du coup normalement c'est bon, à part que si mon CPU il tient pas, sauf que là il est à 12,3%. Salut, MR Gaming. Donc, où est-ce que j'en étais? J'en étais où? J'en étais où? Ah oui. Au moins 2 ans pour l'avoir à 10 €? Ouais, au moins 2 ans pour l'avoir eu à 2 €. Oh, ça fait longtemps, hein, donc. Ouais, facile 2-3 ans que je l'ai acheté. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Pas les images perdues, mais je sais pas pourquoi ça recharge le stream de temps en temps. C'est peut-être Twitch. Il y a peut-être des surcharges serveurs aussi, ça vient peut-être du côté de Twitch. Donc je disais, ouais, je vais y arriver. Donc vous avez énormément de technologies qui vous permettent de faire des trucs vraiment différents. Par exemple, au début, vous avez. Je vais essayer de vous montrer. Vous avez des rails enfin des tapis roulants automatiques qui permettent de faire basculer, enfin faire avancer vos objets, vos items que vous pouvez poser par terre, ce qui permet d'automatiser. Vous pouvez utiliser des bras, d'abord des bras robotisés thermiques, ensuite des bras robotisés électriques. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez développer de nouvelles technologies comme l'électronique, je crois, ou la création automatique de composants. Donc, vous pouvez créer automatiquement les composants, vous n'avez plus à les crafter vous-même. Vous pouvez faire plein, plein, plein de trucs. Remblai, utiliser pour combler les lacs et faire disparaître de l'eau. Oh, ça, c'est fort! Ça fait très longtemps que j'y ai pas joué, du coup. Un truc pas mal. Ceinture à outils ajoute 10 emplacements supplémentaires avec barre d'action. Ah, c'est cool! C'est cool, c'est cool, c'est cool. Il y a plein de trucs. Vous pouvez même mettre des chemins de fer. C'est énorme, les chemins de fer, pour faire circuler sur votre carte. C'est juste fou. C'est juste fou. Vous pouvez faire des trucs vraiment énormes. Mais, je vais regarder s'il n'y a pas directement une partie un peu plus cool à faire. Nouvel espoir. Non, ça c'est. Tant de coffres sur une petite île. Je regarde un petit peu ce qu'il y a dans les campagnes. Hein. Peu d'espace, de ressources et un temps limité. Acheter du terrain et des machines pour vendre votre produit fini.
Je vais juste regarder ce que c'est, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Alors. Ah oui, c'est ridicule. C'est. Oh, c'est un peu bizarre. Bon, ça, c'est pas un bon mode de jeu. Je pense qu'on va partir sur un free play. Je vais vous montrer, on va commencer directement sur une bonne carte. Alors, le problème des générateurs de cartes, c'est qu'il faut vraiment tomber sur un truc sympathique. Au début, il vous faut forcément au moins du cuivre, du fer et du charbon, pas loin. Bon, ça a l'air d'être le cas ici, donc on va partir là-dessus. Et de la flotte. Et de la flotte pour générer de l'électricité. Bon, on va partir sur celle-là, je suis pas très content. Bonus. Aucun bonus recherché. Je regarde les nouveaux trucs parce qu'il y a plein de trucs. Oh, ils ont rajouté des accomplissements possibles. Oh là là. Oh, je vais tellement me retomber dans ce jeu, ça va être fou. Ça va être tout foufou. Donc, il a l'air d'avoir pas mal de ressources. Vous savez quoi? Non, je sais ce qu'on va faire. Je vais relancer une partie et on va forcer le truc en mettant des fréquences. Non, pas les fréquences de flotte, c'est un peu. Voilà. Des fréquences de ressources hyper élevées. peut-être pas la pierre parce qu'on n'a pas tellement besoin que ça. Salut Algonix! Et des bases ennemies? Alors, oui, j'en ai pas parlé pour ceux qui connaissent pas. Il y a des bases ennemies, il y a des créatures ennemies qui sont dans le jeu, donc il y a des grosses bases. Et si vous n'êtes pas le mode paix, en fait, qui est activé ici, les ennemis vont vous attaquer par vague. À cause de la pollution que vous générez, c'est des créatures aliens, en fait, vous êtes sur notre planète. Ces créatures aliens, elles n'aiment pas du tout la pollution. Et plus vous polluez, plus elles attaquent fort. Voilà, donc si vous activez le mode paix, elles attaqueront jamais. Sachant que votre partie est finie une fois que vous mourrez. Du coup, faut se méfier parce que des fois on peut se retrouver bloqué avec une sauvegarde qui est juste avant une attaque alien et qui vous baise la gueule tout de suite. Voilà. On va activer le mode paix et la taille des bordels de trucs. Zone de départ, on va mettre une très grande zone de départ. Je bourre un. Je fais un. Je fais une partie facile, enfin, dans le genre très facile du coup. Hop. Ah mais non, l'eau je vais la laisser normale. Je vais laisser normale. Et la richesse. Je bourre les trucs. Voilà. Pour faire une partie facile, histoire de vous montrer. Pour ce live. Non, je vais y arriver. Je sais plus viser. Voilà. Activer la rediffusion de la partie. On peut sauvegarder une rediff. Ok. Bon, go! Ah voilà, là ça veut plus rien dire, mais c'est cool. Alors là, ce genre de partie, ça arrivera jamais en jeu vraiment. Si vous faites des parties classiques, ça, c'est pas existant. C'est pas existant du tout. Putain de merde, c'est quoi cette taille de cette taille de gisement, c'est n'importe quoi. Je trouve ça trop drôle. Bon, alors je vais essayer de vous montrer un petit peu. Vous avez à l'origine cul un petit péteux, quelques balles dans votre chargeur et rien du tout pour récolter de des items. Il vous faut au moins construire une hache en fer. Magnifique, sachant qu'une hache en. Ce n'est pas une hache en fer, mais une pioche. On va. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai quoi sur moi? J'ai une foreuse thermique et un four en pierre. Il faut que je passe le plus rapidement possible sur l'électricité. Électricité qui me nécessite de turbines à vapeur, des pompes. J'ai de la flotte à côté? Ouais, j'ai de la flotte. Des pompes et donc pas mal d'électricité. Ok. On va avoir besoin de charbon. Eh ben allons-y. Donc je vais poser. Qu'est-ce que je fais? Je vais poser une foreuse thermique. Hop. Donc foreuse thermique qui est, comme son nom l'indique, une foreuse qui fonctionne à la chaleur. J'ai pas un coffre. Non, j'ai pas de coffre. Shit. Bon bah je vais. Récolter du bois, faire un petit coffre en bois qui permet de stocker des trucs. Je le mets en sortie. Hop, je vais le mettre en sortie de la foreuse thermique. Vous voyez la foreuse thermique quand je passe ma souris dessus. Il y a une petite flèche qui va vers le bas. Et cette petite flèche, elle va directement dans le coffre si vous le posez à côté. Donc là maintenant, je vais récolter un bout de charbon. Hop, je vais le mettre de charbon dans la foreuse thermique. Et hop, vous voyez, petite jauge de charbon qui est. La jauge d'énergie de la foreuse thermique, elle est activée. Elle diminue au fur et à mesure. Évidemment, on perd de la calorie en fait. Et la foreuse récolte du charbon. Hop, vous voyez.
plus ça va, plus on aura du charbon. Donc ça, c'est la base de la base. C'est un truc basique, déjà on peut remettre encore du charbon derrière pour qu'il n'y ait pas de problème. Alors, ensuite. Ah oui, il y a un cycle jour-nuit ici. Il y a un cycle jour-nuit. Bon, c'est pas très dérangeant, hein. Il y a le petit bonhomme qui fait de la lumière. Ensuite, une fois qu'on a suffisamment de trucs de charbon, hop, il va falloir transformer, il va falloir faire la même chose, mais pour le minerai de fer. Pour ça, on va avoir besoin d'une autre forêt thermique. C'est où les forêts thermiques? Nécessite des engrenages qui nécessitent encore des plaques de fer. Ok, c'est cool. Donc on va récolter à la main un petit peu de fer, qui est un peu long. Et on mine avec une hache en fer, oui. Full logique. Voilà, on va déjà commencer par ça. Ensuite, je regardais où ça en est. Bon. Ça continue d'augmenter, c'est bien. On va laisser tourner, hein, évidemment. Ah la vache, j'ai un truc dans le... Tu buguais sur ton portable? Bon, c'est pas grave, c'était là. Hop, on va mettre, du coup, dans le four en pierre, on va mettre du minerai de fer et un petit peu de charbon, vous allez voir. Et hop, ça va faire cuire le minerai de fer pour faire des plaques. Ah la vache, un truc coincé dans la gorge. Hop, ça fait quelques plaques. Plaques qui vont nous servir après pour refaire de nouveaux équipements. Une hache, c'est plus précis qu'une pioche en même temps. T'es sûr? Je suis pas sûr que ça ait une grande précision tous les deux. À la limite, tu m'aurais dit un ciseau pour récolter... un ciseau, hein, je parle du machin qu'on utilise avec un marteau pour récolter des minéraux. J'aurais dit ok, mais une hache. Bof. Donc, est-ce que j'ai assez de... Ah, il faut de la pierre. Il faut de la pierre, il y avait de la pierre là-haut. Hop. Hop, un peu de pierre. Une pioche c'est lourd, une hache c'est léger. Oui, léger entre guillemets, on est d'accord, hein, parce que une vraie hache, ça pèse son poids aussi. Hein. Toc, je recharge un petit peu en charbon et on va installer la deuxième foreuse de l'autre côté. Coucou. Hop. Je vais récolter un peu de bois pour me faire un coffre. Voilà. Ok, sauf que je suis un peu débile. Pourquoi j'ai fait un coffre? J'ai fait un coffre alors que c'est pas ça que j'aurais dû faire. Vous voyez voir. On va déjà commencer un minimum d'automatisation. Est-ce que ça fonctionne ça? Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Hop. T'es pro ou débutant sur le jeu? Moyen, on va dire. J'ai fait tout un... Tout un comment ça s'appelle Tout un guide vidéo, voilà, sur ma chaîne YouTube, sur le jeu Factorio, mais c'était il y a longtemps, donc le jeu a pas mal évolué depuis. Mais je pense que je suis pas mauvais. Je suis, voilà, moyen, et puis j'aime pas trop le mode où il y a tous les machins qui attaquent dans tous les sens, du coup je préfère jouer en mode paix pour créer des trucs. C'est plus marrant. Alors, même si c'est le mode facile. Donc on va récolter suffisamment de minerais, je pense, pour commencer à construire nos merdouilles. Ah, il faut qu'on fasse la même chose pour le cuivre. Bon, alors. J'aurai besoin du coup de pierre pour faire des fours en pierre, parce qu'on va en avoir besoin pour la base. Le début, c'est toujours long. Et une fois qu'on a installé l'électricité, ça va super vite. En tout cas pour la première partie. Ah, c'est chiant ça. C'est tellement relou. Voilà. Préfère multi ou solo? Bah, j'ai jamais joué en multi. Pas trop ce que ça donne. Je sais pas trop ce que ça donne. Et j'ai jamais eu quelqu'un pour jouer avec moi en multi. Je pense que ça doit être vraiment fun. Donc, un autre four en pierre. Et je vais avoir besoin de faire des chaudières aussi. Mais pas tout de suite. Déjà, on va faire un autre four en pierre. Je vais regarder où ça en est.
côté-là. Ok, c'est bon. Ici, ça va bien. Hop, plein de fer. Hop, hop. Qu'est-ce que je voulais faire? Forêt thermique. C'est ça que je voulais faire. Et... voilà. On va mettre tout ça dedans. C'est parti. Je vais aller récolter un peu de pierre. Alors, Massacre 94, ouais. On peut jouer, mais le truc c'est que moi je joue souvent qu'avec des gens que je connais. Voilà. Je préfère jouer avec des gens que je connais, c'est pour ça un peu plus fun. Et j'ai toujours eu du mal d'ailleurs dans les jeux genre MMO, même si j'aime bien ça, c'est discuter avec des gens, j'ai vraiment du mal. Timidité. C'est paradoxal, hein, parce que du coup je fais des lives. Et je fais des vidéos sur YouTube. C'est... oui, c'est complètement paradoxal en fait. Bon, alors, j'ai, je pense, suffisamment de cailloux pour commencer à faire des trucs un peu plus sympas, hein. Un caillou. Non, c'est pas ça que je voulais regarder. Hop. Voilà, ça y est, je commence à avoir des trucs. Donc, une pompe côtière, on va en avoir besoin pour faire de la récolte. Voilà, il va nous falloir aussi des tubes. C'est en bon le paradoxe. Oui, totalement. Bah, c'est ça, être humain, un peu. Je dis des trucs tellement profonds sur ce live. Des profondis. Là, ça tourne. Je regarde un peu où ça en est. Je suis allé voir Tu ne tueras point au cinéma, il y a 2 jours, là. C'était vachement cool. C'était super cool. C'est le film de... le dernier film de Mel Gibson. Sur un mec durant la Seconde Guerre mondiale, un Américain qui est parti au front japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Du coup, le front japonais qui était assez hardcore. Et surtout, il y est parti en n'ayant jamais touché une seule arme de sa vie, en ne voulant pas toucher une seule arme de sa vie. Il est parti là-bas pour sauver des vies. Il est allé sur le front, il est allé se battre à Okinawa, qui est une bataille de fou. Et il a sauvé durant une nuit et un jour, il a sauvé 75 personnes de la mort. Sans tuer une seule personne, il les a ramassés sur le champ de bataille et les a ramenés derrière. 75 putains de personnes lui doivent la vie sur cette journée-là. Et je dois dire que le film était vraiment... waouh. C'était dur. Mel Gibson, il a beau avoir fait un peu de la merde ces dernières années, là il a fait un putain de retour en force avec ce film. C'était vachement fou. J'en ai chié un peu dans mes bottes. C'était vachement dur, certains passages. Ah. Parce que c'est graphique, hein. C'est un film qui est interdit au moins de 18 ans, c'est hyper graphique. Et les petites scènes où où ils se font tirer dessus, le mec il a le crâne qui explose, ou un japonais qui lui saute dessus en mode kamikaze avec une grenade sur le ventre. C'était un peu dur. Donc, back to business. Donc là j'ai installé une pompe, on va pouvoir installer les turbines à vapeur qui vont nous permettre de... produire de l'électricité qui va nous permettre de produire automatiquement des ressources à l'aide de turbines. De récolte. Comment ça s'appelle? Putain, je vais pas y arriver. Foreuse électrique. Voilà, foreuse électrique. Et j'ai l'oreille qui me gratte. Voilà. Alors. Non. Hop. On va les écarter un peu. On a un peu de place. Voilà, ça y est. Donc j'ai fait circuler la flotte. C'est pas un problème. Maintenant, il faut qu'on fasse venir du charbon, en fait, jusqu'ici, pour faire chauffer la flotte. On sait tous comment fonctionne une turbine, enfin j'espère. Ça fonctionne tout simplement à l'aide de comment ça s'appelle? De vapeur d'eau. J'ai spoil le film, mais en même temps, j'ai spoil un fait d'armes qui est quand même vachement connu, hein. C'est surtout, tu vas le voir, mais pour la façon dont il est filmé.
Au début, c'est un peu un Forrest Gump du pauvre, j'ai trouvé, avec le type qui fait un peu. Qui est joué par Andrew Garfield d'ailleurs. Le mec qui sauve des vies, c'est Andrew Garfield, ça m'a un peu étonné. Mais il le joue bien. Au début, ça fait un peu Forrest Gump, le type, il a un peu. Il parle de Dieu un peu dans tous les sens, il fait un peu benêt. Il fait un peu benêt, et du coup, pendant l'armée, il se fait un peu tabasser. Un peu logique, le mec qui refuse de porter une arme. Et donc, ça fait tout. Il y a tout un côté très Forrest Gump au début. Et après, la deuxième partie, quand il arrive à Okinawa, là c'est beaucoup plus trash. Là c'est beaucoup plus trash. C'était. Wouah! Alors, maintenant, il va falloir qu'on installe des foreuses électriques. Ah putain, ça nécessite tellement. Ça nécessite tellement de. Des plaques de fer. Eh, on va partir sur des plaques de fer. Je vais avoir besoin de petits poteaux électriques aussi. Et je crois plus avoir de bois, c'est ça? Ouais, j'ai plus assez de bois. Ouais, c'est un bon film à aller voir, Tu ne tueras point. Même si dans son cinéma, c'était un peu la galère, parce qu'au beau milieu des grosses séquences, là, on a eu le droit à deux coupures entières du cinéma, le cinéma qui s'est plongé dans le noir tout d'un coup. C'était un petit peu chiant, parce que. Un petit peu relou. Le bon rallongé d'une demi-heure du film, tu sais. Cut, ça m'était encore. Enfin, si, ça m'était arrivé d'ailleurs une fois. J'étais quand j'étais allé voir Doctor Strange aux dernières vacances, en avant-première. J'étais peinard, et puis là, tout d'un coup, coupure au début du film. Hey, oh! Calme-toi! Et là, c'était deux fois. Et c'était même pas le même cinéma. Donc, je sais pas, je suis maudit. Hop. Donc, maintenant qu'on est là, il va nous falloir. Merde, j'ai commencé à construire des convoyeurs. C'est pas ça que je voulais faire. Même si on va en avoir besoin. Faut que je le fasse, en fait. J'ai une foreuse électrique? Oui, j'ai une foreuse électrique. On va placer une foreuse électrique. Toc. Ah non, je vais la placer dans ce sens-là. Je sais pas, il faut que je commence un petit peu à réfléchir à l'optimisation. On va faire venir du charbon jusque là-bas. Ah, il va falloir vraiment beaucoup de tapis roulant. Et pour ça, il va aussi me falloir. Voilà. Hop. Doudou. Alors, je vais peut-être le faire à rebours en fait. Les immenses étendues. Ah, c'est lent. C'est un petit peu lent, je vais peut-être pas stream jusqu'à trop tard ce soir parce que hier je me suis encore couché vachement tard et il faut quand même que je continue à bosser, bon pas ce soir, hein. Marre, mais demain il faut que je sois un minimum frais pour faire quelque chose. On va aussi poser les poteaux. Ta partie est buffée, oui complètement là j'ai mis tout au max. J'ai complètement bourriné histoire que je puisse vous montrer. En fait, c'est plus une question de rendre la chose pratique plutôt que de rendre la chose difficile. Difficile ou facile, c'est plus pour que ça soit plus pratique pour vous expliquer. Vivement les grands poteaux, parce que là, les petits câbles, c'est bien long. Alors, on va avoir besoin hop, d'en mettre un là, vous allez voir pourquoi après. Ah, je vais en avoir pour 20 ans. Ah, plus de charbon. Non, pourquoi vous n'avez plus de charbon? Voilà. Non! Voilà. Bon, c'est toujours lent le démarrage, mais une fois qu'on va pouvoir commencer à faire des trucs sympathiques, ça va aller un peu plus vite. C'est vrai que j'aimerais bien au début une option pour accélérer un peu tout ça. Est-ce que c'est lent? Hier soir, je suis allé voir chez un pote Jack Reacher en voulant enchaîner le premier Jack Reacher et le second, qui est encore au cinéma.
Sauf qu'on s'y est pris trop tard, du coup, bah, on a fini au moment où on était censé aller au cinéma. Un peu trop tard. C'était ballot. En plus, j'ai vu derrière que le Jack Reacher Never Go Back, il était un peu nul. Du coup, c'est pas plus mal. Puis il y a encore des trucs à aller voir la semaine prochaine. Putain, je l'ai mis dans le mauvais sens tout du long. Ah! La semaine prochaine, il y a les Animaux Fantastiques, là, la nouvelle franchise de J.K. Rowling qui s'est amusée à faire encore de la thune sur Harry Potter. Avec 5 prochains films. Enfin, en comptant les Animaux Fantastiques, évidemment. J.K. Rowling, ah là là. Là, je vais lancer un truc totalement gratuit, mais Harry Potter, c'était bien au début. C'était gratuit. Non, après, on aime ou on n'aime pas, mais je dois dire que. Ah, objectivement, je trouve que. Objectivement, je trouve. Déjà, c'est faux. Subjectivement, je trouve que Harry Potter a perdu de sa flamme. Enfin, en tout cas, n'est plus du tout la même chose que ce que c'était au début. Non, même pour les. Que ce soit les livres ou les films d'ailleurs. Les films, c'est vachement flagrant parce qu'au début, ils sont obligés de gueuler leur sort, ils galèrent à fond pour faire juste lever une plume. Et à la fin, c'est piou 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 avec une petite baguette magique, c'est n'importe quoi. Donc c'est une évolution que j'ai pas forcément des plus aimées. Et puis J.K. Rowling ne sait faire que du Harry Potter, du coup, on en bouffe. On en bouffe beaucoup. Ah là là. Qu'est-ce que je peux être médisant? Ça parle pas beaucoup sur ce chat. Vous êtes nombreux? Bizarre. Je vois que 4. Ça m'étonnerait. Enfin voilà. Du coup, je sais pas quoi dire quand il y a personne qui parle. Perturbant. Va y arriver à cette merde. Dans quelques petits trucs. Je me suis maté Watchmen aussi, un truc que j'aurais dû faire il y a longtemps, très longtemps. Et j'avoue que j'ai bien kiffé. Pour un film où t'as un mec bleu luminescent qui se balade la bite à l'air pendant 3 heures, franchement il est cool. Il est vraiment cool. J'ai bien aimé. J'adore beaucoup cette ambiance hyper noire à la Sin City. D'ailleurs, Sin City, d'où j'ai mis le. Oh, ça va être vite long là. Normalement, si je fais ça. Voilà. Sin City, dont j'ai mis le thème principal au début du live. C'était The Cells. C'était The Servant. Non, attends. Cells by The Servant. Voilà. Cells by The Servant. Oh, on va pouvoir commencer à faire quelque chose. Non, en fait non, pas vraiment, parce qu'il me faut encore des bras robotisés qui nécessitent 4 plaques chacune. M'en faut 4. Ouais, des bras robotisés. Bras robotisés qui me permettront de récolter automatiquement le charbon qui arrivera sur le tapis roulant. Tapis roulant qui a le bon goût de ne pas coûter d'énergie parce que sinon ça aurait été vraiment la merde. Allez, on va mettre un peu de chauffe. C'est parti pour la chaufferie. Et là, normalement, hop, la performance qui monte. La température qui monte super vite, c'est n'importe quoi. Et donc là, normalement, je produis de l'électricité et je fais arriver du charbon directement et c'est très cool. C'est parti! On a enfin des trucs qui ont démarré. Maintenant, il va falloir faire la même chose pour le charbon et automatiser notre production de plaques de fer. Le jeu a des limites où il va jusqu'au nucléaire. Le nucléaire n'est pas encore en jeu, mais ils sont en train de le mettre pour la prochaine mise à jour. En train de voir le système, comment ça va fonctionner. Et il semblerait qu'on aura même droit aux explosions nucléaires. Ça va être drôle, ça va être particulièrement drôle. Tiens, charbon ici, je vais en chercher là-bas. Ah oui, là, il y a ma charbon.
Ok, donc là bah c'est bien au niveau des performances. Je regardais. Performance à la minute. Ah, on voit les graphes. J'aime bien ce genre de graphes. Ça fait genre tu fais des trucs super. C'est assez carré. Ce sont des chronographes. Tout. Non, pas tout, ah, d'accord. En fin de game, que faire de mieux qu'envoyer une quinzaine de nukes sur ton industrie? Oui! Pff, bombarder ton truc! Non mais je crois que c'est surtout que des fois dont tu dois pas pouvoir envoyer des missiles nucléaires, mais je pense que c'est ça doit être les centrales nucléaires qui, si tu les gères mal, ça fait boum. Ça fait vraiment boum. Alors. Foreuse qui nécessite plus de plaques de fer que ce que je pensais. Ah ouais, putain, ça va être encore long. Faire venir l'électricité en attendant. Le truc, c'est qu'il faut que je me trouve une zone où je vais pouvoir produire plein de plaques de fer. Je vais le faire là, je pense. Je vais pouvoir faire un truc de fou par là-bas, je pense. Ça va être bien. Alors. Par ici, on va produire des minerais. Voilà. On va faire plus de petits. Voilà. On va faire d'autres. Ok. Il va falloir tellement de fer. C'est vraiment assez chiant au début, je dois dire. Devoir attendre comme ça en permanence, c'est pas le meilleur jeu du monde à ce niveau-là. Et à la fin, c'est pareil. En fait, au milieu, il y a énormément de choses à faire, mais alors à la fin du game, c'est bien long. Je vais encore faire tourner un peu. À la fin du jeu, en fait, faut attendre une fois que tout est setup et que fonctionne automatiquement tout seul. Faut juste attendre que ça produise. C'est sympa, hein, parce que ça fait des trucs vraiment géniaux à regarder, mais au bout de 2 ou 3 heures, quand il faut le faire tourner, c'est long. C'est un peu long. Là, c'est pareil, c'est vachement long. En plus, il va me falloir pas mal de fours. Ah, je suis con, j'en ai déjà 2. On va en récolter. Je vais m'en faire 4 ou 5, je pense. De base, donc on va récolter. Je vais casser ma pioche. Je pense que je vais directement casser ma hache. Pardon, ma hache. Ah, voilà, j'ai cassé. Du coup, il creuse avec quoi là en fait? Un petit caillou, enfin une petite barre. Ah, il est déter hein, parce que putain, creuser à cette vitesse. Voilà, hop, on commence par ça. Ah, je suis trop loin pour le câblage. Ok. Là, je vais t'enlever de là, je vais décaler tout ça. Je vais installer le début de ma production de plaques de fer. Alors, j'avais fait un truc qui peut être pas mal, je pense. Je vais essayer de le refaire. Je vais essayer de le refaire, mais je me souviens plus trop quelle tête il a. Il faut que je fasse un décalage de 3. Ouais, c'est ça. Il faut que je laisse ça comme place. Je crois. Puis on redécalera tout. Est-ce que c'est exactement la même distance? J'ai pas l'impression. Bon, c'est pas grave. Alors, on va essayer de voir comment. Je vais essayer d'en setup 1 ou 2 avant de faire plus. Et s'il faut que je redécale tout, ça va être lourd. Alors, donc ça va être le bras d'arrivée des plaques. On n'a pas les plaques internes. Merde.
Automatisation, ça donne quoi? Machine d'assemblage, j'ai bras robotisé le long. C'est pas ça que je cherche. Si, c'est ça. Convoyeur souterrain. Les convoyeurs souterrains, je vais en avoir besoin. Il faut combien de fournitures de recherche? 10. Ok. Non. Je vais en demander 10. Ça va être un peu long. On va attendre. Bon, pas l'air d'avoir grand monde sur ce stream. Ah si, il y a du monde. Mais pas grand monde parle. Oh merde, j'ai un pote qui vient de me dire sur Facebook. Une petite alarme incendie ce matin à 5h, puis c'est parti un coup pour ce soir. Putain, c'est n'importe quoi. Chez lui, c'est un truc d'enfer. Des alarmes incendie toutes les 2 minutes. Pire que la série. Voilà. Ah bah tiens, oui, c'est vrai que j'ai appuyé sur contrôle, ce qui permet de voir qu'est-ce qu'on produit. Contrôle ou Alt? Alt. Ça permet de voir qu'est-ce qu'il produit. Cool. Ah oui, mais faut que, si je veux pouvoir lancer une recherche, faut que je fasse un laboratoire. Bon. On va commencer par le laboratoire, hein. Tant pis. Je suis couché à 2h30 la nuit dernière. Et je me suis réveillé à 10h30. J'ai un peu sommeil. Mais bon, j'aime bien live. Donc on va continuer encore un peu. C'est pas un problème. Alors, la logistique, on va la rechercher. Ah, c'est 20. Shit, c'est 20. Bon, d'accord. On va en faire plus. Ah, c'est lourd tout ça. Là, ça continue de produire, c'est peinard. J'ai récupéré tout ça. Donc là, ça commence à rechercher. On va récolter les 10 dernières. Est-ce qu'il y a d'autres trucs intéressants dont je voudrais vous faire part? Je vois pas. Oh la vache! J'étais censé être réveillé pour ce stream. Si j'ai testé son bras sur le PTR d'Overwatch, la nouvelle héroïne. Ah, c'est pas facile à jouer, mais qu'est-ce que ça peut être broken? C'est vraiment fort. C'est vraiment très très fort. Enfin, en tout cas, moi je trouve ça vraiment trop fort. À l'heure actuelle, c'est pété. Pouvoir hacker tous les. Empêcher d'attaquer toute une équipe, c'est vraiment fort. C'est vraiment extrêmement fort. Mais en même temps, elle a un skill cap nécessaire qui est extrêmement élevé. C'est. Waouh! Moi, j'ai essayé de la jouer. Moi qui joue Mercy en ETP, je peux vous assurer que j'ai fait que de la merde. Genre de la bonne grosse merde. Et c'était horrible. Mais c'est vachement fort. Alors, le bras robotisé, on va avoir besoin des convoyeurs. Donc ce bras robotisé là va permettre de sortir le bousin et me faire aller ici. Ah oui, donc en fait, je les ai un petit peu calés trop loin. Allez, j'aurai besoin de plus de logistique derrière, donc. Non, effectivement, c'était bien au bon endroit. Donc là, il va y avoir le souterrain. Parce que là, il y aura le bras robotisé. La sortie du souterrain. Donc là, on continue. Ça fait comme cela. Voilà, et donc il faudra plein de bras robotisés souterrains. Et donc là, il faudra faire une ligne qui arrive dans ce sens-là qui permet de faire arriver le charbon et une autre ligne qui arrive pour faire arriver le fer. La base. Ça va être un peu long. Ou alors, je les installe directement maintenant.
peut d'ores et déjà, je pense, commencer à installer des trucs. Genre la foreuse électrique pour le charbon. Voilà. Ouais, il y a du pétrole qui traîne, hein. Forcément, j'ai... Il y a plein de flaques de pétrole ici, il y en a plein là. Là, là. Ça va être drôle. On en voit là, en plus c'est des grosses flaques à 170%. Ouais, 210. Oh là là. Des méga flots de pétrole. Là, là ici c'est le désert d'Arabie Saoudite. C'est fou. Alors. Ici. Et il va falloir plein de convoyeurs. C'est long tout ça. Faire venir l'électricité aussi. Ça sera long, c'est sûr, mais inversement, vu le nombre de ressources que t'as mis, ça sera moins dur pour avancer, c'est clair. Putain la vache! Qu'est-ce que j'ai? Juste un truc qui est coincé, mais c'est relou quoi. Je peux pas le tirer un poil. Bah. Dire que je pouvais le tirer un poil, mais en fait non. Voilà, dans l'idéal, il faudrait que je les pose comme ça. Voilà. Donc là, il n'y a pas de charbon. Pas de fer. Le jeu en multi peut être fun. Guerre de pétrole, course technologique. Ouais, ça peut être vachement fun. Je sais pas trop qu'est-ce que ça donne. Ah, fin de technologie, donc c'est bon. Je vais pas le lancer sur autre chose d'abord. En multi, ça doit être bien drôle. On va commencer par faire venir au moins sur le premier, je pense. Salut Kaizorn, même si je me souviens plus comment on dit ton pseudo. Alors, donc là ça va produire gentiment, sauf qu'évidemment je n'ai toujours pas assez de fer. Et voilà. Je fasse venir jusque là-bas. Toc. Ah oui, autre chose, je suis actuellement en train de réfléchir pour changer de PC. Bon, en tout cas, bah, je peux pas mettre à jour celui-là parce que j'ai pas les bons compos de base. L'architecture est pas bonne. Du coup, mettre une 1080 par exemple, je peux pas. Faudrait que je change de carte mère, mais si je change de carte mère, faut aussi que je change de proco parce que le proco il est sur un vieux chipset. Donc il y aurait tout à refaire. Du coup, je me dis autant que je change sur un gros PC et on va y mettre de l'argent, on va mettre de l'argent dedans, vous allez voir. Je vais mettre un peu de fric. Genre, je me laisse 2000-2500, à peu près. Juste pour la tour. Hein. Et après, les périphériques, je les ai. Du coup, c'est pas un problème. Ouais, 2000-2500 pour la tour, je pense que ça peut être pas mal. Ça se prononce Kaizorn. Ok. Je m'en souviendrai pas, évidemment. Je vais acheter tout en pièces, je pense. Je pense que je vais tout acheter en pièces. Je sais déjà à peu près quel proco je veux. Je veux l'i7 6000K. Je sais plus. Tu changes de PC surtout pour toi. Oui, c'est surtout pour moi. J'en ai besoin en fait. J'ai besoin d'un bon PC pour faire des machines virtuelles multiples. Notamment bah, pour en attaquer d'autres. Pour en faire discuter plusieurs. Il me faut en fait lancer plusieurs machines virtuelles en même temps. Ce qui me demande plusieurs processeurs. Donc des processeurs avec beaucoup de cœur. Donc dans l'idéal, matériel.net, celui que je cherche, c'est un Proco i7. Je vais vous le retrouver en attendant. Proco i7. Intel. Dans la gamme des i7. C'est le 6800. L'i7-6800, donc c'est un Broadwell E, c'est-à-dire la dernière architecture en date
de chez Intel, avec la plus grosse finale de la plus grosse finesse de gravure actuelle. D'ailleurs, ils ont un gros problème pour derrière, pour l'architecture derrière, tout simplement parce que à 14 nanomètres de gravure, quand vous gravez votre processeur, vous commencez à avoir des phénomènes quantiques qui apparaissent. Et les phénomènes quantiques, c'est un peu la baise. Parce que, bon, je vais peut-être pas vous faire tout un cours d'architecture des ordinateurs, parce que c'est un peu la merde, mais dans un processeur, en fait, tout est en gros entre 0 et 1, c'est-à-dire que c'est de la logique binaire. Donc vous utilisez deux états, l'état où l'élément que vous avez est actif ou est inactif, 0 ou 1. Le problème, c'est que quand vous gravez vos petits circuits, donc vos petits fils conducteurs, quand vous les gravez sous une certaine taille, vous avez des problèmes, parce que l'électricité, en fait, c'est des électrons qui se baladent d'atome en atome. Et le plus simple, par exemple, c'est du cuivre ou de l'or, ça conduit vachement bien. Et donc, du coup, des fois, quand vous avez une gravure vraiment très fine, vous arrivez au niveau de l'ordre de grandeur de la taille de l'électron. Ce qui faisait que vous n'êtes pas sûr de ce qui se passe. Ça marche plus comme ce que vous avez au niveau macroscopique. Voilà, bon, ça c'est déjà pas mal pour le début. On va par contre pouvoir continuer à lancer des trucs. Ah bah oui, du coup ça sort ici. 2500, tu peux avoir du lourd. Ouais, donc avec une 2500 là, je voulais mettre. Donc le. Comment ça s'appelle? 17 6800, donc il y a presque 500 euros actuellement. Mais après, je vais l'acheter l'année prochaine, je pense. Donc milieu d'année prochaine pour mon anniv. Et la fin d'année. Donc c'est un processeur 6 coeurs cadencé à 3,4 GHz. Donc 6 coeurs, c'est la technologie Intel. Donc en fait il y a un hyper thread. C'est-à-dire que sur vos 6 coeurs, ils en émulent 6 autres. Ce qui fait qu'en fait il y en a 12 au total. 12 threads. Et on peut le booster à 3,6 GHz. C'est déjà pas mal. Et surtout, ce qui m'aide beaucoup, c'est le cache, la mémoire cache qui permet d'accéder plus vite à la mémoire au lieu de passer par la RAM, et elle est assez importante, elle fait 15 mégaoctets. Ce qui est très bien, parce qu'actuellement, les caches pour les i5 sont plutôt à 3, 4, si je me souviens, 6 maximum. Je ferai un bon prof, bof. Je pense que je suis assez mauvais pédagogue. J'ai du mal à expliquer, en tout cas, sans rien comme ça, j'ai un peu du mal à expliquer, je pense. Pas sûr que vous ayez tout compris, j'espère. Deux Titan X, non, je pense une 1080. Si ça se trouve, une 1080 Ti, si elle sort. Je pense que ça suffira. Et s'il faut vraiment, j'en mettrai deux. Ah. J'en mettrai deux. Mais les titans, c'est un peu de la baisse pour rien, en fait. C'est un peu exagéré, je trouve. Alors, il va me falloir encore un petit des poteaux électriques. Donc, je pars sur ça. Donc, une 1080, un petit 6. Les AMD, mais je suis pas fan. J'ai un pote qui vient de monter sa tour. Un pote à moi qui a monté sa tour, il a acheté tous les trucs. Il a tout acheté chez AMD. Il a la carte graphique chez AMD et le proco chez AMD, donc voilà. Mais chez AMD, en fait, je sais pas trop. AMD, c'est oui ou non. Je suis plutôt pro Intel. Voilà. Ça c'est dit, je suis plutôt pro Intel parce que c'est des technos que je connais bien, que je sais à peu près gérer. AMD, c'est un peu les outsiders à ce niveau-là. Et du coup, je sais pas trop. Je sais pas trop. Par contre, si effectivement ils sortent un proco de malade sur une nouvelle architecture totalement innovante qui défonce Intel, pareil pour les processeurs graphiques, banco, j'achète chez eux si c'est moins cher et beaucoup plus performant. Pourquoi pas, hein? Mais actuellement, c'est vrai que je serais plutôt pour Intel. Mais sur un tapis, le charbon et le minerai. Oui, je pourrais faire ça. Mais en fait, j'ai la flemme. Voilà. C'est la bonne réponse. En tout cas, la GTX 1050 est pourrie. Ouais, ça sert pas à grand chose. C'est soit une 1070, soit une 1080 que je prendrais, hein, perso. Et puis après, bon, après, chez Nvidia, ils ont aussi un énorme marketing. Un énorme marketing autour des titans, en disant ouais, c'est des gros gros machins, mais ça sert à rien. Enfin, pas très très utile, tu payes beaucoup trop cher en fait, les titans. Hop. Merde, pourquoi j'ai annulé? C'est pas ça que je voulais faire. Bon, trop tard. Hop. Mon petit setup. Hop, je vais recommander 3 autres. Des tapis roulants. Voilà. Nope, voilà.
faire venir plein de tapis. Et il va falloir aussi que je construise des tapis souterrains pour les faire circuler. Où qu'est que ça en est tout ça? Alors on va commencer à pouvoir faire des trucs là. Avec ce que j'ai dit, donc une 1080, le i7 6800, s'il n'y en a pas d'autres qui sortent, ça m'étonnerait. Donc ça, plus un SSD, je me tâte le 256 ou le 512. Actuellement, sur le PC sur lequel je joue là, il y a un 128, mais 128 c'est quand même petit. C'est pas énorme et j'aimerais bien avoir plus de place pour pouvoir foutre des vrais programmes. Un SSD, pour que ça fonctionne correctement, il faut pas le remplir à plus de 2 tiers. C'est pas comme un disque dur, c'est no techno. C'est très performant au niveau de lecture et écriture. C'est beaucoup plus performant qu'un disque dur, mais du coup, ça a une durée de vie qui est faible, beaucoup plus faible. Un disque dur, l'ordre de durée de vie d'un disque dur, s'il y a beaucoup d'écriture et de lecture, c'est 10 ans. Un SSD, on peut tabler sur 1 ou 2 ans maximum. Du coup, j'ai pas franchement envie d'en changer tous les ans de disque dur, surtout vu que c'est celui qui va garder le système de le SSD. Donc, on va éviter de tout casser. Hop. Donc, je me tâte pour un 512. Je me tâte vraiment pour un 512. Oui, effectivement, il n'y a pas le charbon qui est là. Puis après, bien sûr, des teras de disque dur derrière, ça va bien aller. Allez, je vais mettre 20 teras en RAID 5. Ça va nécessiter un boîtier de fou. Même c'est cher un SSD. Ouais, c'est cher. Mais maintenant c'est beaucoup moins cher. Parce qu'il y a quelques années c'était très 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 cher. Et là ça l'est beaucoup moins. On peut trouver des SSD 128 à environ 90€. Pas mal. Ils arrivent à faire descendre le prix du giga sur un SSD à environ un peu moins d'un euro. Ce qui est cool. Parce que bon, le prix du giga sur un disque dur c'est à quelques centimes. Donc avec ça, faut mettre 10, ouais. Faut mettre 10, ouais. C'est donné SSD maintenant, oui donné, entre guillemets. Comme les disques durs d'il y a 10 ans. Ouais, moi j'ai trouvé un truc, enfin mon père m'a ramené un truc chez mes grands-parents. C'est une tour, une vieille tour, je sais plus comment elle s'appelle, mais dedans il y avait un disque dur, donc un disque dur 3 pouces 5, disque dur classique. Et la taille qui avait marqué sur le disque dur, j'étais mort de rire. 136 MO. Putain. 136 MO. Et moi, je m'étais acheté juste pour l'occasion un petit disque dur de Tera pour faire stocker des trucs. Bim. La différence. Ils avaient la même taille. Mais alors, pas du tout la même écriture. Enfin, la taille d'écriture, c'était fou. C'était fou. Puis ça faisait un boucan. Je sais pas comment ils ont fait leur truc. Mais alors, les moteurs à l'intérieur étaient pourris. Hop. Hop, on commence à avoir plein de trucs et ça va être bien. Allez, on est parti. Go, quoi, sérieux? Et oui! Et oui, Skizord, les disques durs il y a longtemps, putain. D'ailleurs, j'ai retrouvé une Commodore 64 aussi chez mes mêmes grands-parents. C'était drôle aussi, c'était particulièrement drôle. Une vieille Commodore. Et vous savez pourquoi la Commodore 64 s'appelle comme ça? 64 kilooctets de mémoire vive. Là, sur mon disque dur. Enfin, sur mon ordi, là, j'en ai 12 gigas. Hey. C'est pas tout jeune, les disques durs comme ça aussi. Ah oui, c'est clair, hein. C'est des vieux trucs. Hein. C'est des très vieux trucs, c'est sur les premiers ordinateurs personnels que ça existait, ces trucs. 60 kilooctets de RAM, c'était ouf. Ouais, bah ouais. Mais c'était toute une autre époque, hein. C'était toute une autre époque. Et là, on est dans la démesure totale. On est dans la démesure totale. Par rapport à ce qui se faisait avant. Et hop. Vous voyez cette production? Elle est nickel. Ah, on a déjà les bras robotisés rapides. Cool. Je vais installer un coffre en fer aussi. Voilà, c'est comme ça que moi je produis des trucs. Bon, certes, ça pourrait être plus compact, comme a dit Massir94, ça pourrait être clairement plus compact, c'est-à-dire que je pourrais faire circuler les minerais de fer sur le même tapis roulant, donc comme il y a deux emplacements, en fait, dans les tapis roulants, je pourrais les mettre de l'autre côté, ici, et les faire circuler en même temps, comme ça, il n'y aura besoin qu'un seul bras. Donc, effectivement, là, j'ai un peu overextend, mais j'aime bien cette façon de faire.
J'aime bien, je trouve ça plutôt cool. Donc là, toc. Et comme ça, j'aurais plus qu'à me servir dedans pour faire des plaques de fer. Maintenant, on va faire la même, mais pour le cuivre. L'évolution va de plus en plus vite dans 100. 100. Dans 100, les disques durs feront 100 Tera. Ouais, 100 ans, il y a... Si tu parlais de 100 ans, je pense qu'on tapera plutôt dans les pétas, voire plus, effectivement, comme dirait le Hec. Je pense que ça partira vraiment très très loin. C'est assez exponentiel. Merde, 10 ans. Alors 10 ans, je pense que 100 Tera, c'est largement faisable. Mais je pense qu'en fait, on va se retrouver face à un problème. C'est parce que au niveau du principe de construction des disques durs, on va pas pouvoir arriver à en installer plus. Les disques durs, en fait, c'est magnétique. Les disques durs, c'est magnétique, c'est des petits cercles, en fait, des petites lamelles, qui sont empilées, avec un léger espace entre les deux, autour d'un cylindre. Et à l'intérieur, en fait, si vous avez une tête de lecture qui s'installe et qui permet d'écrire en haut et en bas de chaque disque. En fait, vous écrivez sur deux faces du même disque. C'est un peu compliqué à vous expliquer là comme ça. Et en fait, quand vous écrivez sur le disque dur, c'est la tête de lecture qui se déplace pour aller chercher les bits de données que vous voulez. Donc, plus ça va, plus vous pouvez mettre de tête de lecture en même temps. C'est-à-dire que si vous avez dans un disque dur 8 cylindres, vous pouvez écrire du coup... 8 x 2, vous pouvez écrire avec 16 têtes en même temps. Et plus ça va, plus vous avez de la finesse de gravure importante, la finesse magnétique de lecture importante, en fait, vous pouvez stocker de plus en plus sur des petits disques durs. Mais à partir d'un moment, ça va être un peu comme les processeurs, vous pourrez plus graver finement dessus. Enfin, graver, c'est pas de la gravure, parce que les têtes de lecture ne touchent pas les disques. Et le bruit que fait un disque dur quand il fait machin, c'est la tête, c'est le moteur qui fait tourner la tête pour la bouger comme ça sur le disque dur. C'est lui qui fait du bruit. La tête de lecture ne touche pas les disques durs. Par contre, elle le frôle suffisamment pour enlever quelques électrons de matière. C'est assez dingue parce qu'en fait, il y a de l'érosion, mais ça ne touche pas. C'est assez mort de rire. On peut déjà acheter des 10 Tera en public. Oui, ça coûte vachement cher, mais ouais. Avec la norme M2, ça va aller, ouais. Oh, à court d'infos, merci. Ah bah, hey, je suis quand même... même si moi, ça va être de l'info réseau que je vais faire, j'ai quand même des cours d'architecture d'ordinateur et quelques cours de technique pure, comment ça fonctionne. Et je trouve ça vachement intéressant aussi. Bon, j'en étais où? J'en étais à faire des chaudières pour... faire chauffer le monde. J'ai clairement pas... ah oui, non, en fait, il faut que je fasse d'abord les foreuses électriques. On va faire des foreuses électriques d'abord parce que j'ai pas assez de... De minéraux. Ouais, je fais un cours d'info en plein live. C'est génial. C'est génial. Ouais, j'aime bien discuter de ce que je fais en cours. C'est des trucs assez techniques, mais en même temps, j'aime bien les expliquer. Et en même temps, j'ai un peu partiel là-dessus la semaine prochaine. Ah, ok, c'est toujours intéressant de savoir comment ça marche, ouais. Est-ce que j'ai appris à coder en HTML? Je suis en train d'apprendre parce qu'en fait, je fais la nuit de l'info. Le 1er décembre, je l'ai fait l'année dernière, je le refais cette année, et en fait, je suis un bon codeur logiciel. Je code pas mal en C++, tout ça. Je suis assez une bonne bête, on va dire, en logiciel. Mais sauf que le réseau, tout ce qui est web, les techno-web, je sais pas faire. Ça a toujours été un gros problème, c'est que je sais pas les faire. Et du coup, j'essaye de les apprendre au travers, bah, par exemple, de la nuit de l'info, tout ça. Voilà, qu'est-ce que je voulais faire? Hop, ça et ça. Et donc non, je sais pas très bien coder en HTML, mais je suis en train de m'entraîner. Pas encore, les réseaux, ça va venir. À force. Oui, mais quand je dis réseau, moi en fait, c'est mon école, elle est basée sur l'INSA Centre-Val-de-Loire, elle est basée sur la sécu réseau. Donc on nous apprend à hacker. À hacker et à nous défendre. Donc c'est vachement intéressant, mais actuellement, là, ce qu'on fait, c'est de la programmation système. Là, je suis en première année d'ingénieur, donc on fait de la programmation système. C'est-à-dire, on est sous Unix, et on essaie de comprendre comment fonctionne un Unix. Quelle école? Je suis à l'INSA Centre-Val-de-Loire. Section Bourges. Parce qu'il y a deux, en fait, c'est une double école. Donc je suis à l'INSA. La sixième INSA, la toute nouvelle. Je suis à la toute première promo de l'INSA Centre-Val-de-Loire, d'ailleurs. Celle qui sortira en 2019.
J'ai jamais joué à Watch Dogs. Et c'est pas forcément le genre de jeu qui m'intéresse. C'est GTA Live, je suis pas à fond dedans. Il y en a qui aiment bien, moi c'est pas mon truc. Voilà, donc il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, j'en ai fait une de plus, c'est pas très grave. On va se faire la même, mais pour le cuivre. On va le faire par là, je pense. Où sont mes trucs? J'ai envie d'éternuer. Ça fait du bien. Oui, je suis trop un pirate, ouais. C'est ça, totalement. Ça fait bloup bloup? Pourquoi ça fait bloup bloup? C'est quoi? Qui a fait bloup bloup? C'était le jeu, c'était... Ah non! C'était bon... C'était un pote qui m'a envoyé un truc sur Battle.net. Voilà, je me demandais ce que c'était que ce bruit, mais en fait c'est Battle.net qui a changé tous ses sons de notification là avec les dernières mises à jour. Et je suis un peu perdu. Et il va me manquer quoi là? Ah, du fer. On va chercher du fer. Factorio, avant je regardais les vidéos d'iPlay4U, c'est aussi comme ça que j'ai découvert aussi, avec iPlay4U. Que j'ai regardé il y a pas longtemps, et niveau graphisme ça a bien changé. Ouais, ils se sont considérablement améliorés. Hein. Et d'ailleurs c'est ce qu'ils font à chaque fois, que je vois une news sur Twitter, ils font régulièrement, tous les vendredis en fait il y a une news sur le développement du jeu. Ou en tout cas sur un aspect technique du développement du jeu, et à chaque fois, il y a toujours écrit qu'ils recherchent un modeler 3D ou des trucs comme ça. Et je trouve ça génial. Ils sont toujours en train de rechercher des modeleurs en plus. Allez, on va faire venir du cuivre, du copper. Et pourquoi je parle comme un russe? Je ne sais point. Voilà. On va les poser. Hop. Hop. Oula. Voilà. C'est déjà pas mal. Et bien dans le bon sens, lui. Ouais, je crois qu'il est dans le bon sens. Ok. Et pas assez. C'est toujours un peu long en setup, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Tu peux produire autre chose que de l'énergie? Oui, on peut faire des tanks, comme dit Kaysord. On peut effectivement faire des tanks, c'est assez énorme. On peut faire pas mal de choses, il y a énormément de technos différentes. Ah, je vais essayer de te montrer. Tu peux faire des trucs. Tu peux faire des réseaux logiques. Je me suis encore jamais servi de ces trucs. Donc tu peux encore automatiser encore plus ta base. Tu peux faire donc des voitures, des tanks. Tu peux faire du traitement avancé. Traitement avancé des minéraux, ça c'est nouveau ça. What the fuck? Du béton? Quoi? Tu peux faire du béton? Béton. Vitesse de mage 140%. Zone de dangerie à gauche. Oh, c'est trop fort! Il y a tellement d'ajouts! Les moteurs électriques, les réseaux logiques, c'est énorme. Ouais, il faudrait que je m'en serve, mais je sais pas trop comment ça fonctionne. Il faudrait que je regarde. Il y a tellement de temps que j'ai pas joué. Batterie, tu peux faire donc des réseaux de distribution électrique un peu plus importants. Tu peux faire des. Ah ouais! Le management à coup de micro-robots.
Ah, ça c'est fort aussi, c'est super fort. Une plateforme où en fait tu peux mettre des petits robots à l'intérieur et tu peux leur donner des ordres, notamment par exemple sans utiliser du coup les plateaux un peu partout, là, les tapis roulants. Tu peux demander à des robots de maintenance d'aller chercher des trucs, d'aller en mettre à tel endroit ou de leur donner des ordres, de faire vraiment plein de trucs. C'est super fort. Tu peux leur demander aussi de te recharger une fois qu'ils arrivent dans la zone, que tu arrives dans la zone de l'astroport et tout. Les robots-ports, c'est la vie, ouais. Ce jeu qui te casse la tête, totalement. Mais pour les fous comme moi qui aiment bien dessiner des trucs, c'est préparer les machins à l'avance sur un bout de papier en disant ça, celui-là, là, 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 c'est super fort. Tu peux faire des trains, tu peux faire des raffineries de pétrole. Et tu peux perdre, oui, tu peux perdre. Si tu te fais tuer par les créatures, tu peux perdre. Créatures qui, si tu mets le jeu en mode non peaceful, en mode normal, c'est-à-dire, eh ben, elles t'attaquent régulièrement. Et elles veulent te défoncer les bases, enfin, elles veulent défoncer ta base avant. Donc en fait, il faut mettre des tourelles de protection, des trucs comme ça. Tu peux faire des armures à l'Iron Man aussi, et mettre un réacteur de fusion portatif. Ouais. Je trouve ça génial parce que c'est un réacteur à fusion. Mais dans le jeu, il n'y a pas le nucléaire. Le mec qui est passé directement de la fission à la fusion. N'importe quoi. Pour ceux qui connaissent pas, les profanes, la fission et en fait, tu prends deux atomes de. Enfin, tu prends un atome de je sais plus quoi. Généralement, c'est du uranium. Tu lui envoies un proton, un électron, je sais plus. Tu lui envoies une particule élémentaire dessus. Il se casse en deux, libérant de l'énergie et libérant aussi une autre particule qui va aussi en casser en deux et ce qui fait une réaction en chaîne et ce qui produit énormément d'énergie. La fission, c'est faire fusionner. La fusion, c'est du coup c'est faire fusionner deux atomes d'hydrogène pour en faire un atome d'hélium, si je me souviens bien. C'est ce qui se passe dans le soleil, mais ça nécessite énormément d'énergie pour démarrer. Mais ça te produit aussi beaucoup plus d'énergie que la fission. Voilà. Et du coup, en fait. Avoir un réacteur à fusion sur soi, c'est un peu débile quand on n'a pas de la fission de base. C'est juste un peu illogique. Dans la 0.15, il y aura un style nucléaire. Ouais, c'est ce que j'ai vu sur les derniers trucs. Tu casses des noyaux, c'est ça. Tu casses des noyaux, ça produit une énergie. Les cours de samedi, merci. Et ça fait longtemps que j'ai plus fait de chimie, de trucs comme ça. Enfin, c'est de la chimie, c'est de la physique-chimie. Un peu. C'est plus de la physique que de la chimie d'ailleurs. Tu peux faire des modules de production, rien, bouclier d'énergie. Qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, après, il y a tout l'armement classique, hein. Les gros lance-roquettes! Des grenades. Tiens, il y a des grenades. Plein de trucs. Il y a masse de trucs. Et puis, ça fait que augmenter ces trucs. Complètement fou. Donc, revenons à nos moutons. Je suis tellement en train de faire un cours sur ce stream, c'est fou. En même temps, j'adore ça. Ça fait du bruit. Alors. Et tu joues en peaceful? Ouais, je joue en peaceful sur cette partie-là. Déjà parce que, un, je suis pas très bon. Merde, j'allais dire quelque chose. Un, je suis pas très bon. Deux, je trouve ça un peu trop dur quand c'est pas en peaceful. Et trois, il n'y a pas de trois. Il n'y a pas de trois. Du coup, ça servait à rien. C'était débile! Après, tu peux t'amuser avec les mods ou pas, suivant les gens. J'ai encore jamais installé de mod sur ce jeu. De base, je suis pas extrêmement mod sur les jeux, en fait. Je suis pas un mec qui adore modder ces jeux. Même si j'aime bien les coder, généralement. Mais je sais pas trop ce que ça peut donner. Peut-être que c'est fun, hein. Peut-être que c'est fun. Faudrait que j'essaye. Mais après, je pense que les mods, il faut les utiliser à partir du moment où tu as. Où tu as les bases, où tu as fait des trucs vraiment intéressants sur le jeu. Ou si tu t'es amusé pendant des heures et des heures, genre un peu comme Skyrim, une fois que tu as tout fini le jeu à mort, bah tu modes. Skyrim qui est sorti en spécial édition d'ailleurs, mais sauf qu'il ramouille un peu, il est moins beau et il ramouille un peu par rapport à celui que j'ai modé avec des packs de textures et des trucs comme ça. Du coup, c'est un peu con. Il faut connaître le jeu déjà, c'est clair, il faut connaître le jeu. Le truc, c'est que Factorio, j'ai l'impression qu'il a tellement des mises à jour souvent que bah, j'ai du mal à rester accroché en me disant putain, à chaque fois il y a une mise à jour. Ah! Qu'est-ce que je pourrais vous expliquer, tiens? Pourquoi je pourrais faire des cours à la con? Laser.
Ah oui, c'est pour les tourelles laser. D'accord. J'ai cru qu'il y avait des technologies qui utilisaient le laser. Ah ouais, ça serait vraiment fort ça. Des systèmes où en fait tu peux envoyer un laser qui traverse, soit une laser barrière ou. Enfin, un gros laser barrière ou des lasers qui permettent de transférer de l'énergie ou d'envoyer de l'information ailleurs. Ah, oh, ça serait fort. Les modders plus forts que les devs. Surtout sur Skyrim. Après, sur Skyrim, on peut comprendre en fait, parce que le truc c'est que c'est un jeu qui est extrêmement complexe quand tu regardes la façon dont c'est fait. C'est un jeu qui est super complexe. Il a dû nécessiter énormément de taf. Je comprends que les devs, pour le ne pas l'avoir. Enfin, ils l'ont pas sorti du coup. Ils l'ont pas sorti ultra optimisé, mais c'est normal. Ça aurait pris des années à optimiser. À optimiser vraiment, il aurait fallu une équipe qui taffe en permanence dessus. Ça aurait alourdi le jeu, il l'aurait sorti trop tard. Donc, effectivement. On peut comprendre que les devs, enfin les modders soient un peu plus forts que les devs à ce niveau-là. Parce qu'ils ont un peu, entre guillemets, que ça à faire. Par rapport aux devs. Après, ça excuse pas tout, hein. C'est venir, par exemple, les jeux Ubisoft finissent un peu la pisse. Voilà, c'est pas la même chose. Si tu as besoin d'aide, demande. Bah ouais, c'est pas un problème si j'ai besoin d'aide. Je demande, c'est. Moi j'aime bien le jeu, hein. Mais après, je sais pas tout faire. J'ai dû oublier un truc là. J'ai oublié un bras. Hop. Le Leafy. Ouais, quand je parle des lasers, c'est un peu comme le Leafy. Mais le Leafy, en fait, c'est. Ça pourrait être une techno sympa, mais le problème, c'est que tu mets ta main sur ton capteur, voilà, comme ça. T'as plus de lumière, le Leafy, ça fonctionne plus. Le truc sympa qu'ils ont fait rapport au Skyrim Special Edition, c'est qu'ils ont donné gratuitement aux joueurs qui avaient déjà acheté tous les DLC de Skyrim à la sortie de la version remasterisée. Et ça, c'est bien. Ça, c'est gentil. Et en même temps, qui n'a pas Skyrim, hein? Dire. C'est quand même le jeu de 2011 qui fonctionne encore en 2016. Voilà. Pour moi, le meilleur jeu Bethesda, c'est Fallout New Vegas. J'ai jamais fait de jeu Fallout. Je sais. Ouais, voilà. Mais j'ai jamais fait de jeu Fallout. Bonjour. Tati K8? Tati Kate? Je sais pas comment on dit. Et je dois écorcher ton nom affreusement, j'en suis désolé. Mais bonjour. Bonsoir. À moins que ce soit bonjour si tu es du Québec. De temps en temps, il y a des Québécois sur le stream. Je n'ai pas Skyrim. C'est rare, les personnes qui n'ont pas Skyrim, c'est quand même vachement rare. Ah, c'est Pierre? Ok, d'accord, t'as changé de pseudo. Alors c'est pas le même Pierre, parce que je connais plein de Pierre. M'observe. Oh merde. Ah merde, il y a des gens qui m'observent. Oh là là. Je vous ai pas dit. Je pense qu'il y a personne de ma famille là sur le stream. Parce que la première fois que j'ai refait un stream, là, quand j'ai fait mon gros stream sur sport, où j'ai dessiné des trucs dégueulasses, Pierre de la classe. Ah d'accord, c'est Rokobi. Ok, d'accord. La première fois que j'ai fait un stream sur sport, là, quand on faisait des trucs vraiment débiles. Il y avait toute ma famille qui regardait dans mon dos. Toute ma famille, y compris mes cousines, y compris mon oncle et ma tante, mes frangins, mes parents, et moi qui étais en train de dessiner des bites roses en parlant de God. C'était horrible. Ouais, c'était. Le lendemain matin, quand ils m'ont appelé, j'étais vachement gêné. Bon, après, voilà, c'est bon. Ils savent un peu ce que je fais, hein. La pression de ouf. Un fan de. Oui. Oui, c'était un peu bizarre, mais. Ouais, ça a rien passé, ils m'ont juste charrié en disant c'était vachement n'importe quoi ton truc. Ok. Moi, je me sentais gêné. Au pire, y a rien d'horrible, hein. C'est pas comme si j'avais fait des trucs dégueulasses ou. Il fait un peu chier là le. Ah,
Mais je dois avouer que sur le coup, je m'étais senti gêné. Ça, c'est un truc que je fais assez peu, c'est mélanger mon taf ou des trucs comme ça avec ma vie familiale. Je le fais très très peu. Je préfère éviter parce que je trouve que ça les intéresse pas trop, je pense. Les parents, tout ça. Alors, la production qui se lance. Genre des guillasses avec des petites filles, des garçons de 8 ans? Moi ça me gêne pas. Ouais, mais le problème c'est que mes cousines, elles ont 8 ans. Parler de God ou des trucs comme ça, ok, elles doivent peut-être pas comprendre, mais c'est chaud. Donc je me suis senti un petit peu gêné. On peut comprendre. Alors. On va faire venir tout ça. Il faut que je check. Oh là. Je sais pas me servir de ma souris. Voilà. Bon, on va checker un petit peu si au niveau de la production énergétique ça tient le coup. Ouais, les perfs, ça a l'air d'aller. Hein. On peut voir si je me souviens bien si on fait un clic droit dessus. Ouais. God égale Dieu. Oui, voilà, on va dire ça. Satisfaction, production, on est bien. Et j'ai jamais trop compris en fait. Attendez, hop, on va mettre ça là-dessus. J'ai jamais trop compris quelle était la différence, enfin, la production, comment ça fonctionnait exactement. Parce que ça varie tellement. Est-ce qu'il faut toujours avoir plus de production que de satisfaction, ou est-ce que la satisfaction peut être, du coup, comme dans ce cas-là, supérieure? Bonsoir, Windsor33, le jeu c'est Factorio. Un petit jeu indépendant, actuellement bêta. Bêta ou alpha? Je sais plus. Ça fait très longtemps en tout cas que le jeu est disponible à la vente. Et qu'il évolue. C'est cool. Mais je sais pas dans quel statut il a. Je sais pas trop comment ça fonctionne exactement tout ça. Bon, généralement ce que je fais, c'est que je m'arrange pour qu'il y ait toujours plus de perfos disponibles que de performances nécessitées. Voilà, nécessité. Je ne sais pas parler français. De performances demandées. Ce qui me fait dire que là, en fait, c'est un peu ric-rac. Il faudrait peut-être que je fasse une nouvelle turbine. C'est pas trop sombre, parce qu'en fait, je regarde là sur mon écran de droite. Je regarde sur mon écran de droite, il est vachement sombre. Après, ils ont pas la même luminosité. Mais c'est pas un peu sombre sur le stream ? Je vais voir si je peux pas. Échelle d'interface. Résolution de rendu des lumières. Non, il n'y a pas le. Y a pas possibilité d'augmenter la luminosité. Ok. Donc ça a l'air d'aller de ce côté-là. J'ai pas fait un peu de truc. Ah bah oui. Y'a rien qui fonctionne, évidemment. Crétin qui relie pas l'électricité. Donc là, je pense qu'il y a moyen que ça casse un peu. Alors, si la production dépasse la barre de satisfaction, tu es dans le jaune, donc la production globale est ralentie. D'accord, donc là, ça va. On est bon. Il coûte 20€ sur Steam. Oui, ou sur le site officiel. Factorio, la nuit est très sombre, tu n'as pas le choix à moins de mettre la lumière. Oui, mais je veux dire, sur le rendu global, même de jour, il était un peu sombre. Go faire des panneaux solaires pour pas polluer. Allez, on va faire full panneau solaire, comme ça la nuit on produit rien du tout parce qu'il n'y a plus d'énergie. Yes! Ouais, on voit d'ailleurs la pollution. Plus c'est rouge, plus c'est pollué. Et ben là, c'est vachement pollué. Le but du jeu, c'est faire une énorme usine. Enfin, il y a un but. Il y a un but, c'est rechercher la dernière technologie qui est le silo à fusée qui te permet en fait de partir de la planète extraterrestre où tu t'es échoué. Donc il faut rechercher toutes les technologies qui sont là, toutes celles-là, et finir par rechercher celles-là et construire du coup le lance-fusée. L'autre but du jeu possible, c'est en fait c'est un sandbox. Du coup, tu peux faire énormément de choses. Tu peux construire une usine, chercher la plus grosse production possible de minéraux, de matériaux, tout ça. Tu peux essayer d'aller vraiment très très loin au niveau de la complexité de production. Donc le but, tu peux un peu te le fixer toi-même. Mais dans l'idée, c'est un jeu qui est là pour augmenter tes capacités de gestion en permanence. Mais globalement, c'est ça. Le but du jeu, c'est à peu près ça. Ah shit. Il est en train de me récupérer aussi de... Il y a aussi du fer. Ah merde.
Ça c'est pas cool. Exploiter la planète jusqu'à l'explosion. Sachant que c'est infini, ça va être un petit peu compliqué. On peut pas mettre des filtres? Je sais pas. Peut-être. Alors du coup là on va quand même être un peu commencer. Ouais, on va quand même être un peu bloqué au début. Il va falloir que je fasse au moins les premières recherches. Pas sûr, sont très précoces. J'avais un ami à l'internat qui avait des cousins de 8 ans qui pensaient déjà à ça, qui commençaient déjà à traquer les leurs cousines. Oula! Putain! T'as des gens bizarres! oui! Ah, mais oui, j'ai oublié de lancer une recherche. Ah, voilà, c'est la recherche d'automatisation. Parce que ça débouche sur tellement de trucs. Vache! Ouais d'accord, c'est tellement le truc de base, l'automatisation. On est combien sur le stream là? 8! C'est magnifique! Nous sommes fort nombreux. Il est quelle heure? 22h, oh ça va. Alors... A partir de là, déjà on va continuer à mettre ça, la dernière, hop. J'ai oublié de faire la fin de la production ici. Merci pour le follow Windsor33. J'ai oublié de faire la fin de la production ici, il faut que je fasse un petit bras robotisé rapide. Go faire des popos de heal et faire un raid avec un mecha. Il y a des popos de heal maintenant? Attends, non, quand même pas, ce serait bizarre. Y'a des popos? Je sais pas, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué, hein, comme je vous l'ai dit. Merci pour follow le Evk. J'arrive pas au pseudo, c'est horrible, j'arrive pas à dire des pseudos. Tous, y'a que le mien que je sais à peu près dire. C'est bon, hein. Y'a pas de poisson d'huile, pas encore. À la limite, ça pourrait être pas mal. À 10, on a le droit à une chanson ou un dessin? Une chanson, on va éviter, sinon le micro il se brise, et la vitre d'à côté aussi, et tous mes verres. Un dessin, à la limite, je pourrais peut-être dessiner. Ça peut être pas mal. Je sais à peu près dessiner, donc ça pourrait être sympa. Non, il n'y a pas de popo de heal, mais ça serait peut-être intéressant en fait à mettre, j'y pense. Alors, hop, on va mettre le coffre là-dedans, voilà. Là. Pour libérer un peu la place, parce que du coup, ça va pas assez vite. Les machins rouges, non, c'est pas les popos en fait. C'est des fournitures de recherche. Alors oui, tu peux créer des trucs qui semblent liquides à l'aide de plaques de fer et de plaques de cuivre. Alors à la limite, si tu les fais en fusion, ok, pourquoi pas. Mais genre... Ah mais non, c'est des plaques de cuivre et des engrenages. Et là, c'est des bras robotisés des convoyeurs. Donc c'est pas logique, mais... voilà, les fournitures, elles sont comme ça. Tu vas refaire du anneau 2070? Oui. J'ai une série de prévues qui a été tournée, 5 épisodes. Elle va bientôt arriver. Ah, voilà. C'est fait. Donc, l'automatisation de l'IA, c'est fait. Donc là, c'est quoi? Bras robotisés filtrables. Ça y était pas, ça. Si, ça devait y être. Juste moi qui suis teubé. Alors là, c'est 500. Les lampes. Ça, on en a besoin pour l'énergie solaire. Donc, à la limite, on pourrait peut-être en faire un peu. Ouais. Alors, je vais commencer à installer. Je vais commencer à installer le laboratoire de recherche en fait. L'automatisation et tout, on va faire un laboratoire de recherche parce que là, il faut arrêter de déconner. Faut clairement arrêter de déconner, on va faire un gros lab. Alors, laboratoire de recherche, je sais jamais trop comment le bidouiller. Il y a un nouveau anneau de 1200, un truc comme ça. Oui, je l'ai toujours pas acheté, pourtant j'aimerais bien, mais j'ai pas vraiment de thunes à disposition pour ça. Parce que j'achète encore des bouquins, putain. Avec des bouquins, ça coûte cher. Voilà, et mais j'aimerais bien. J'aimerais bien y jouer. Il est pourri le nouveau 2200, il paraît. Hein. Le nouveau anneau, il paraît qu'il est un peu pourri. Ce qui est dommage, j'aime bien les anneaux. Il pourrait faire un effort, hein, Ubisoft. Anneau de 1205, ouais. Les bras ont changé de couleur avec une évolution de plus. D'accord, nouvelle évolution.
Oh mon dieu, le bras robotisé mécanique évolue. Tune, 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 tune. Achète Civ 6. Ouais, bah... j'ai jamais joué un Civ. Alors peut-être que ça sera celui que j'achèterai. Mais je veux dire que pour l'instant, j'ai pas énormément de temps de jouer. En plus, avec la sortie de Sombra sur le Overwatch, je vais encore y passer des heures et des heures de ma semaine. Ça va être dur. Et Civ 6, c'est pas pareil, c'est un 4X. C'est pas un jeu de gestion. Je vais finir par lancer... Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire en fait un secteur ici où je vais faire tourner autour de laboratoire des trucs de popo, des tapis roulants de popo. Donc je vais en faire plusieurs de labos. Faire 5. Ah mais du coup, hop, j'ai d'en faire trop, voilà. Et surtout en 4X en ce moment, je suis en train de jouer à Stellaris. Je suis d'ailleurs en train de vous préparer un nouveau petit let's play. Nouvelle formule d'ailleurs, sur Stellaris, et je dois dire que je me suis défoncé pour la vidéo d'intro. Je l'adore vraiment, elle est vraiment super cool. Peut-être que je vous la passerai. Parce qu'elle est vraiment super cool. Mais en fait, le nouveau anneau est vachement linéaire. Ah bon? C'est un peu ballot. Toc. Parce que je me suis demandé si j'ai acheté Day One, mais en plus je me suis dit qu'il allait avoir une édition complète avec une extension ou un truc comme ça. Mais bon. S'il est un peu nul, je sais pas. Craquer les jeux, ça fait très longtemps que je le fais plus. Parce que c'est tellement compliqué à faire un jeu que je me dis qu'il faut quand même un peu minimum rétribuer les devs, les payer. Et en même temps, j'achète plus beaucoup de jeux. Le dernier jeu que j'ai acheté, c'était... World of Warcraft Légion. Mais en même temps, c'est plus une extension qu'un jeu. Du coup, le dernier jeu que j'ai vraiment acheté, c'était Overwatch. Ok. Planète Base. Ouais, j'en ai entendu parler de celui-là aussi. Alors, on va partir là-dessus. Je vais essayer de vous expliquer. Je vais avoir besoin plutôt de tapis roulant d'abord. Planète Base, ça peut être pas mal aussi. Attends, je confonds peut-être avec un autre jeu. Checker juste comme ça sur le magasin. Planète Base. Planète Base. Je vais juste regarder. Ah ouais, c'est celui, le JDG a fait une vidéo dessus. Il est si bien que ça parce que je le trouvais un petit peu vide. Quand je dois arrêter de jouer à Civ, je me dis un dernier tour, une heure plus tard, allez encore un. Ouais, on se dit beaucoup de choses, moi je me dis pareil avec Netflix. Hein. Oh, un dernier épisode. Oh, et puis encore un. Allez, encore un dernier. Alors... Et moi je fais ça souvent. Hop. Ou en fait... Non. Et j'ai pas encore assez de... En fait ce que je fais c'est que je fais deux lignes. Deux lignes de tapis roulant. Un interne, un externe. Ou en fait j'en fais un décalé comme ça. J'en mets un comme ça. Comme ça. Je fais une autre ligne ici comme ça. Et ce que je fais, c'est que j'utilise les bras robotisés normaux et les longs pour prendre sur un niveau puis l'autre. Comme il y a 4 potions qui existent, 4 types de potions, 4 types de fournitures, j'en mets 2 sur le premier tapis roulant. Deux quoi. Comme il y a 2 passages. Putain, comment dire? Comme il y a un espace de 2, on peut mettre 2 fournitures sur chaque tapis roulant en même temps. Et ben, j'en mets 2 sur chaque tapis. Tout simplement. Donc du coup j'utilise un bras robotisé long, un bras robotisé normal pour aller prendre sur le tapis d'en face pour les deux autres. Ce qui est plutôt pas mal, je trouve. Mais du coup, c'est vrai qu'il faut que je réfléchisse parce qu'il faut quand même bien les mettre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait qu'une seule colonne de verte, par exemple, une seule colonne de rouge, une seule colonne de verte. Je fais comme un play for... Oula, pardon. Je fais comme un play for you, oui.
En même temps, j'ai envie de dire, je ne fais que recopier ce qu'il a fait, parce qu'à l'origine, c'était lui qui l'avait, qui m'avait montré. Du coup, voilà, vous le savez, je ne suis qu'un vulgaire plagieur et que je ne sais rien faire par moi-même. Vous avez vu ça? En plus, mon concept de la chaîne est clairement tapé sur celui d'iPlay for You. Ça me rappelle un Banish, mais en mode spatial, si on peut dire. Ah bon? Parce que Banish, c'est quand même vraiment difficile, hein. Bah, je trouve. je suis mauvais aussi. Rimworld est pas mal aussi, j'en ai entendu parler aussi, mais je l'ai pas encore. Tu vas avoir 5. Quand tu vas avoir 5 potions, il va y avoir des bouchons. Ouais, c'est clair. Mais quand tu auras 5 potions, on trouvera une parade ou un truc comme ça, tu le feras arriver sur un autre tapis roulant qui passe entre les trucs. Il oh, y a moyen, il y a toujours moyen. Je pense que vu les. Il y a quand même pas mal d'espace autour des laboratoires pour laisser passer plein de tapis roulants dans tous les sens. Il y aura toujours des trucs possibles. Ça fera des tricots pas possibles avec les tapis, mais c'est possible. Alors, comment je vais faire mon truc? Ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je me mette une zone d'approvisionnement. Ah, j'ai lâché mon truc. Je vais mettre une zone de création de potions par là. De toute façon, on s'en fiche, il y a plein de fer. Je m'en fiche, j'en ai plein partout. Zone de création de potions que je ferai arriver sur ces tapis roulants là. Ensuite, il faut que je le fasse retourner. Genre, d'avoir besoin. Donc, hop, je vais le mettre juste comme ça, même si je le mettrai plus tard. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc là, on va créer automatiquement les potions rouges. Potions rouges qui nécessitent plaques de cuivre et engrenage. Facile. Easy. Easy peasy. Si c'est des plaques de cuivre et des engrenages qu'on veut, les engrenages, il nous faut une machine d'assemblage de niveau 1. Et les plaques de cuivre, c'est les objets de type raw, donc qui sont déjà existants. On va faire, je pense, 4 machines d'assemblage. Commencer par ça, je pense que ça devrait être suffisant. Ah oui, mais après il faut encore les machines d'assemblage derrière pour assembler en popo rouge. On va en faire 6. 3-3. C'est peut-être un peu beaucoup. Mais au moins ça sera déjà pas mal pour démarrer. Ça serait bien qu'ils rajoutent des biomes genre neige. Mais en fait les biomes n'ont pas un énorme impact sur le jeu. Bon. Un peu quand même, parce que genre la forêt, enfin les biomes de comme ça ont la forêt, tout ça. Mais je suis pas sûr que, vu le propos du jeu, comme tu dis, il a rajouté aussi des saisons. Des biomes ou des saisons, ça serait un petit peu relou. Parce que, enfin, non, pas relou. Ça serait un petit peu inutile. Il n'y a pas un énorme impact dans le jeu. Enfin, je veux dire, le concept, c'est de faire une usine. Est-ce que une usine se soucie de du temps qu'il fait? Du temps qu'il fait, peut-être à la limite. Mais de la saison ou des biomes. Pas vraiment. Alors, on va lancer les machines d'incendiale. Wait and see, c'est plus beau. Oui, après, c'est plus beau, effectivement, si tu fais des trucs comme ça. Ça peut être juste graphique, effectivement, mais en termes de gameplay, je suis pas sûr que ça ajoute grand-chose. Alors, les 6 qui vont me servir pour produire les potions rouges. Voilà. On va faire 10. J'ai besoin de tapis roulant. Peut-être un truc qui manque au jeu aussi. Les musiques. Il n'y en a pas, hein. Bah. Si, il y a une petite musique. Ouais, mais c'est carrément une musique de fond, il n'y a rien. Faut faire attention à sa production, se garder trop de mages mais ne pas trop produire ou faire trop de zones de production car les ressources sont limitées en début de partie. Il faut aussi prévoir l'évolution de la base dans sa taille complexe, mais tellement bon quand tu arrives à faire tout ce que tu passes bien. C'est clair. C'est clair, quand tu fais des trucs, il faut vraiment prévoir sur la longueur. C'est vraiment dur, en fait. Factorio. Son côté difficile, c'est pas forcément la façon dont tu fais ton truc, c'est après c'est l'évolution, arriver à le pérenniser sur le temps. Et à moins de faire un gros cheat, entre guillemets, et de commencer avec une partie complètement pétée niveau ressources comme moi, où je peux carrément installer des zones de création sur les zones de production, c'est vraiment dur. C'est un jeu qui est vraiment pas assassin. Tu as de l'argent illimité, demande Windsor 33. Il n'y a pas d'argent dans le jeu.
C'est au niveau des ressources. En fait, t'es tout seul sur une planète, donc y a pas de concept d'argent. C'est des ressources de base qui sont limitantes. Ou faire un jeu encore plus hardcore avec barre de température, au bout, santé mentale, mental à salle dont starve. Oh, c'est trop dur, ça serait trop dur. Is it French user 1000. Ok. User 1. Yes, it is French. But you can buy the game in English, I think. Ok. My beautiful English accent. Beautiful and ridiculous. We all agree that. I think. Shit, c'est pas ça que je voulais faire. Toc. Non, mais non, qu'est-ce que je fais? Je suis con. Y'a plus simple. Y'a bien plus simple. Parce que là, ceux-là, ils vont me produire des engrenages. Top, petit engrenage. Et eux, ils vont directement me produire les popos rouges. À ne pas confondre avec les peaux rouges. Hey. C'était nul. Je sais, je sais, je sais, c'était nul, je vais sortir. Cet accent du futur, je sais. Je sais, je sais pas parler anglais. Je comprends très bien l'anglais. Mais le parler, c'est très dur. I want to see something about Factorio. This game is interesting for me. It's a really good game, mate. It's a really good game. But it's maybe a bit expensive if you don't plan to play it hard. It needs a long time to make some good stuff with it. Je comprends pas bien le jeu, il est hyper complexe. Voilà, actuellement, je fais pas grand chose de très complexe. Hein. Il y a vraiment des trucs très très poussés. Là, tu vois, je suis en train d'essayer d'automatiser une production. Je vais faire venir des plaques de fer, ici, sur les machines d'assemblage, qui vont produire automatiquement des engrenages, qui vont aller directement ici, qui vont, je vais aussi faire venir des plaques de cuivre sur cette station-là, et qui va me produire automatiquement des fournitures de recherche. Fournitures de recherche que je vais aller les mettre là-haut. Tu es un peu bloqué là, non? Non, pas spécialement. On a besoin de 3. Là, il se touche la nouille. Oui, totalement. Je suis en train de toucher la nouille. Ce qui est pas bon. je serais plus concentré. Enfin, je serais pas en stream, je serais plus concentré, bien entendu. Hein. C'est... Oubliez pas. Hein. Je ferai des trucs beaucoup plus poussés. Je réfléchirai avant de faire n'importe quoi. Parce que là, actuellement, je suis un peu de la merde. Ah, j'ai pas assez de cuivre. Pas vu ça. Expensive, on en parle de No Man's Sky. Oh non, on parle pas de No Man's Sky. Ne parlez pas de No Man's Sky. Je l'ai pas acheté. Mais c'était un jeu, je pense que ceux qui connaissent ma chaîne depuis longtemps le savent. Je l'attendais beaucoup parce que j'attendais un peu comme la révolution après sport. Je l'attendais un petit peu comme un sport du futur. Un truc vraiment ouf. Et ce jeu a été tellement gâché par une mauvaise com, des pressions de la part de Sony pour faire sortir le jeu plus vite. Non, c'était pas cool, enfin, c'est pas sympa. Après, je l'ai jamais joué. J'aimerais bien trouver un pote qui l'a pour essayer de le testouiller pendant quelques heures. Mais voilà, ils ont gâché un potentiel de fou. Ils ont gâché un potentiel de fou. Mais du coup, le jeu que j'aimerais bien voir réussir là où Star Citizen a entre guillemets échoué. C'est Star Citizen, bah, là où No Man's Sky entre guillemets échoué, c'est Star Citizen. Je l'ai pas acheté non plus, mais je pense qu'il y a moyen que ça fasse des trucs vraiment cool. Alors, ils auraient dû le reporter totalement. Ils auraient tellement dû reporter le jeu. Ils auraient reporté le jeu, je suis sûr qu'ils auraient pu faire des trucs vraiment sympathiques. Mais là non. Attendez, hop. On va refaire revenir l'électricité. Électricité, faut vraiment que je surveille parce que là je sens qu'il y a tout qui va me péter entre les doigts. Oh, là c'est limite, il faut que je fasse de l'électricité.
Juste une question, c'est pour mon PC, j'ai un gros bug quand je joue à un jeu, ma souris, que quand je clique droit sur ma page, sort. Hein? Attends. Juste une question, c'est pour mon PC, j'ai un gros bug quand je joue à un jeu, ma souris, quand je clique droit, ma page sort et le met sur mes dossiers. Quoi? What? Pas compris. Bizarre. Il te met sur ton bureau? C'est-à-dire tu l'as pas en cible. T'as fait un clic droit d'affichage comme sur le bureau en fait. Bah peut-être que ton jeu est pourri ou alors t'as... Je sais pas, je vois pas du tout. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. On va faire des turbines à vapeur, on en aura besoin. C'est bizarre. SC égale Star Citizen ou StarCraft? Il y a un débat. Alors, je pense que le débat n'a pas lieu d'être. Tout simplement parce que si on parle de StarCraft, généralement on parle de StarCraft 2, on dit SC2, comment on sait. Si tu parles de StarCraft premier du nom, tu dis StarCraft, et si tu parles de Star Citizen, tu dis SC. Facile. Dans Star Citizen, si tu veux acheter tous les vaisseaux, il faut dépenser plus de 1000 euros. Oui, c'est vrai. Mais je crois que tu peux les acheter en jeu sans avoir dépensé de la thune. Je sais plus. Oui, sur tous les jeux en plein écran. Ah, t'as des bugs sur tous les jeux en plein écran, c'est lourd. Bah, tu m'étonnes, c'est lourd. Vérifie sur tes paramètres de la souris. T'es sous Windows? Enfin, je pense que t'es sous Windows. Dans les paramètres de la souris, peut-être que t'as quelque chose. Attends, je vais essayer de regarder avec toi. Quoi. Non, tu peux pas les acheter en jeu. Oh, bah, Star Citizen, quoi. En même temps, ils ont tellement de la thune, c'est le plus gros jeu crowdfundé. Hein. Souris, je vais juste regarder s'il n'y a pas une option, peut-être que t'as une action, t'as une option un peu con. Paramètres du clic de la souris, peut-être que c'est là-dedans. Activer le verrouillage de clic. Non. Je vois pas trop. Je vois pas trop. Est-ce que t'as essayé de... Have you tried to turn off and on your computer? Est-ce que t'as essayé de débrancher, rebrancher, éteindre ton ordi, tout ça? Peut-être que c'est juste un problème... Si c'est pas un problème récurrent, il y a peut-être un moyen que ça le change. Enfin, ça remettre correctement. Après, je vois pas. Je vois pas où est-ce qu'il pourrait avoir d'options. Il donne des cours, fait des dessins et des pannes en direct. Oh mon dieu. T'as vu ça? Tellement fort. Sur son long couteau suisse. Voilà, c'est ça. Gognu Linus Cap. Linux, t'as pas le droit à la souris. Déjà, si t'as le droit à une interface graphique, t'es content. paramètres du... Paramètres de la souris, peut-être sur le général. Ah non, mais c'est clic, d'accord. Je vois pas, hein. T'as tout fait, même changé de souris. Ah. Putain. Modifier le fonctionnement de votre souris, activer touche souris. Essayez Alt F4, ça marche à tous les coups. Franchement, cette blague, elle est tellement vieille, elle est aussi vieille qu'Internet. Ouais, je vois pas, là, je... T'as pas modifié quelque chose dans ta souris avant? Peut-être que c'est quelque chose que t'as modifié dans les paramètres de la souris qui marche plus. Qui fait que ça marche plus. Je vois pas, je suis désolé, mais là, y a pas de truc qui fait que tu ne comprends pas le... Enfin, que l'environnement n'est pas bien pris en compte. Je vois pas du tout. Alors, on va peut-être retourner à nos boutons. Oui, j'étais en train de faire... Donc j'ai deux choix, soit je jette mon ordinateur, soit je défonce l'écran, mais pas grave, merci, désolé. Ah merde.
Est-ce que ça va passer si je fais ça? Ouais, déjà, ça, il va plus y avoir d'électricité partout, mais ok, 2 secondes. Sais pas s'il faut pas que je mette. Oh, ça passe. Ça passe. J'ai deux. Hey, j'ai trouvé un super MMORPG français free to play. Pay to progress, ça s'appelle Wakfu. C'est troll. Oh, nous on a reçu un truc avec notre école. Je l'ai là. Oui, on a reçu des tablettes. On a reçu des tablettes. Voilà, comme ça, c'est des tablettes Arcos qui sont plutôt pas mal, entre guillemets, parce qu'en fait c'est très aléatoire. Le problème c'est qu'ils en font 100, ils en font plus environ 200 d'un coup. Et du coup, quand on a fait 200, c'est quand même des produits de haute technologie. Il y a de fortes chances pour que ton équipement ne fonctionne pas. Moi j'ai de la chance parce qu'il fonctionne à peu près, parce qu'en plus c'est un clavier fourni avec, et le clavier bug un peu, mais ça va. Et donc du coup je suis plutôt content parce qu'elle est bien, elle est quand même plutôt pas mal, ce qui permet de faire du Discord ou du 9gag en cours, surtout quand c'est chiant. Et en même temps elle permet de jouer à des jeux, il y a toute la promo ou presque qui a installé le... Comment ça s'appelle? Dofus Touch. Ils sont tous en train de jouer à Dofus Touch. Moi je me suis mis en solitaire et j'arrête pas de perdre. Encore un coup de la NSA, il troll trop cela. C'est de la faute de la NSA, toujours. Bon, niveau électricité, on est bon, je pense. Ouais, c'est nickel. Alors, donc on en était là. Je voulais faire venir de cuivre. On va faire venir de cuivre. Un peu loin quand même. Pas assez. Bientôt, il va y avoir assez de fer, il va falloir que j'aille en chercher. Ouais, Arco, c'est plutôt bien au niveau du rapport qualité-prix. Ouais, c'est pas mal, hein. La tablette est pas mal. C'est juste que le clavier est livré avec. Et bah, en fait, il a un branchement qui déconne un peu avec moi. Et j'ai de la chance parce que j'ai de nombreux potes qui ont une tablette qui fait des bruits bizarres de temps en temps. La carte son, elle a tendance à se déconnecter, elle fait un bruit genre. Pendant quelques secondes, et particulièrement chiant, surtout quand elle fait ça la nuit. Mais moi j'ai de la chance parce qu'elle fonctionne plutôt bien, je pense que c'est une des tablettes qui fonctionne le mieux. Tandis que j'ai des potes qui dès qu'ils l'ont récupérée, ont dû contacter le service après-vente. Voilà. Bon, enfin, je vais pas trop cracher dans la soupe parce que c'est quand même de la bonne tablette et que l'année dernière, les tablettes étaient quand même considérablement plus pourries quand ils les ont récupérées. Alors. Maintenant qu'on est là, il faut s'arranger pour qu'il n'y ait pas trop de ressources qui partent directement là-bas. Même si. Si, en fait, je peux m'autoriser faire ça. Il y a une abeille sur la tablette. Non, c'est pas une abeille. C'est le. Ah, putain, j'arrive pas. C'est le symbole de l'école, je crois. Mais ça s'entrevoit de l'or. Arcos, ouais, c'est français. Enfin, c'est français. C'est comme pour Wiko, hein. Je crois que c'est designé en France et conçu et conçu par des Chinois, comme d'hab. En même temps, ça tombe bien parce que il manquait une tablette. Je trouvais ça, ça me manquait un peu. J'ai pas de liseuse parce que je préfère quand même les bouquins papier. Je suis un putain de hipster. Et un mec qui aime bien payer aussi. Et puis en même temps, j'aime bien regarder mes films aussi ailleurs que sur une tablette. Genre sur un bon PC, enfin un bon écran, un home cinéma si tu l'as, c'est bien. Pas mal. Et qu'est-ce que tu fais toi? Ah d'accord! J'étais le plus gros crétin de la planète. Je suis toujours le plus gros crétin de la planète. J'ai juste pas mis les trucs dans le bon sens, mais c'est con quand même. Oh putain, il y a du fer du coup qui trimballe. La mienne est pourrie de chez pourrie. Il faut que j'installe un émulateur sur mon PC pour jouer à des jeux sur tablette.
Putain. C'est vraiment une très bête de merde là pour le coup du coup. Lâcher. Ah d'accord, je suis juste à fond là-dessus. Et comme j'ai pas encore l'acier, et eh ben je peux pas avoir plus de place. Bah, vous fonctionnez oui ou merde? Ah bah oui, il faut que je fasse venir le cuivre. Le copper. Whip. Voilà. Très chiant là ce fer qui se trimballe sur mon cuivre. Shit, j'ai oublié de le... Ah! Voilà, donc la production de potions rouges est enfin lancée au bout de longtemps de jeu. Honnêtement, je vais très très lentement. Oui, je vais dire très très lent, mais non, c'est faux. Très très lent, on ne dit pas ça, très très lent. Aïe! Maintenant on va faire les bras robotisés. Ah oui, il faut que je fasse venir l'électricité aussi. Il y a quand même une petite musique. Perso, j'utilise une Surface Pro 4. Ah, d'accord. Je sais pas trop ce qu'elle vaut. En fait, les tablettes, je m'étais pas vraiment intéressé à ça jusque-là. C'est quoi les jeux que tu attends le plus? Moi, il y a Mountain Blade Battlerload. Aussi. Aussi pour ça que je changeais de PC. Et Outlast 2. Alors, jamais joué à Outlast, j'ai même plus... C'est un jeu d'horreur? Non? Je sais plus. Outlast. Ah putain. Ouais, c'est un jeu d'horreur. Ouais, c'est pour ça que je... C'est pour ça que non. C'est pour ça que je suis pas d'accord. C'est pour ça que même pas en rêve. C'est un ordinateur tablette, d'accord, la Surface Pro 4. Aussi puissant qu'un ordi portable, sauf pour le jeu et la portabilité d'une tablette, avec le clavier qui se détache aussi. Ah, c'est pas mal. Là, il y a Microsoft aussi qui avait annoncé son... sa putain de tablette. Enfin, c'est pas une tablette, c'est... le sort de Mac... de Mac version Microsoft qui a l'air de déchirer sa race. 100K abonnés, tu fais un let's play sur Outlast. Allez, on se dit ça. On se dit ça, comme ça, moi, je suis sûr que... Je vais arriver à finir ma phrase. Je suis sûr que ça arrivera jamais. Voilà, c'est ça. J'arrive pas à finir mes phrases. C'est affreux. Optique, c'est fesses. On va rechercher tous les trucs qui nécessitent que du rouge. Que des fournitures rouges. Parce que sinon, on va pas y arriver. Parce que les fournitures vertes, faut les crafter aussi. Comment je vais crafter les fournitures vertes? Ça, c'est la question. Les bras robotisés et les convoyeurs. Go faire des comptes secondaires. Je vais me retrouver submergé. Alors, il y a des gens qui seraient capables de payer des bots là, les bots YouTube pour avoir plein d'abonnés. Là, ça coûte combien ces merdes? Juste pour regarder, juste pour la déconne. Bots YouTube. Abonnés. Oh merde, c'est ça. T'as mon antivirus qui dit que les sites c'est de la merde, on va éviter. Chaud. Ah, bon, on va retourner sur le stream, voilà, machin. Hop.
Voilà. Et merci pour la vidéo Anno, grâce à toi je sais mettre la vitesse en plus rapide. Mais de rien, je sais plus comment je l'ai découvert, mais j'ai trouvé ça assez magique la première fois. Parce que j'étais aussi con. C'est-à-dire que j'attendais devant mon PC, comme un con, comme ça. Et je remarque que je n'ai pas assez d'électricité. Eh merde. Ça sert à rien de bot YouTube, ça fait pas de monnaie. Oui, mais ça fait de la popularité, qui peut aussi générer sur de la monnaie. Moi, grâce à toi, je sais mettre la vitesse en plus rapide sur Mountain Blade. C'est utile aussi. C'est très utile aussi. Alors. Mais en fait, je suis con. Voilà, c'est mieux, j'ai juste que je les avais oublié de les relier. Alors, nouvelle recherche. Automatisation 2, on va en avoir besoin. Launch. Pareil, je me disais que le jeu était très long, je te laisse 20 minutes tourner sans jouer. Ouais. Ouais, c'était chiant. Et en fait, une fois que tu sais gérer le plus, avancer la vitesse, tant que t'es réactif, ça passe. Et que de temps en temps, il faut repasser sur la vitesse normale. La musique. Sans l'option accélérée, c'était devenu Clash of Clans. Total. Je vais boire un coup, je vais chercher un verre d'eau. Voilà, la bonne petite tasse Bazinga. Avec de la flotte dedans. Le putain de thug, le mec qui boit dans une chope, de la flotte. Alors, donc je disais bravo baptisé et convoyeur. Convoyeur qui nécessite des plaques de fer et des engrenages. Donc il va falloir reproduire des engrenages. Ensuite produire des convoyeurs et les bras robotisés qui nécessitent des circuits électroniques. Alors là on va avoir besoin de pas mal de cuivre. Et des engrenages aussi. Il va falloir produire masse d'engrenages. Voilà. Et ben on va s'y lancer. On va avoir besoin de pas mal de trucs d'assemblage. C'est pour se la péter, totalement. Je me la pète trop avec mon mug Bazinga. Placement de produit! Pour une série qui en a pas besoin! Parce qu'elle fait encore 10 millions à chaque épisode! C'est vrai que c'est assez fou là quand tu y repenses, la popularité de The Big Bang Theory qui est tellement haute. Pourquoi j'ai récupéré un minerai de fer? Alors que la série commence à 10 ans. Putain, 10 ans? Et que j'ai tout vu? Que j'ai tout vu, ma gueule! Mec qui a pas d'amour propre. Après, c'est bien, quand même. On va pas se le cacher, c'est quand même bien. C'est un temporaire comme les Simpsons. J'ai jamais regardé les Simpsons. C'est peut-être une série que je me lancerai le jour où ça sera vraiment terminé, ce qui m'étonnerait. Vous avez vu? Bob l'éponge est terminé aussi. Y a plus de série Bob l'éponge, c'est fini, annulé. Cancel. C'est un truc qui marchait à fond au Royaume-Uni, mais finalement, ils sont arrêtés. Et y avait quoi d'autre? C'est South Park aussi, j'aimerais bien m'y lancer dedans. Surtout que les saisons sont pas très longues, si je me souviens bien. Y a moyen que je me lance bien dedans. Pour répondre à ta question, ça serait dans les 14 € TTC pour 200 abonnés et 540 € TTC pour les 10K abonnés. Ouah! Oh putain! Surtout pour un bot de création de compte, quoi.
Ah, peut-être qu'en fait, non, ça doit être un peu compliqué. Il y a un captcha à faire pour les créations de comptes Google? Je pense qu'il doit y avoir un captcha. C'est bizarre. Et il doit avoir un soft pour outrepasser les captchas. Il nous faut une clé de chiffrement SSL 64 bits. Ou une clé de hachage SA256. Le bon truc qui est incraquable. Ça dépend de beaucoup de choses. Qu'est-ce qui dépend de beaucoup de choses, l'OFK? Truel, on va peut-être pas en avoir besoin. Sur JVC, il faut un captcha, mais il y a quand même des bots. Ouais, mais c'est des bots que tu peux... C'est-à-dire, tu peux créer le compte à la main et ensuite tu peux setup le bot. Tu vois? Je veux dire, c'est, là, c'est des comptes où il faut les créer. Ah oui, non, sur JVC, je crois qu'il y a un captcha pour le poster des trucs. Ah oui, donc c'est ça que tu parles, oui. Oui, effectivement. Oui, mais c'est pas logique. Transformation de l'acier, on en a besoin. Pardon sur les prix. Ah d'accord. C'est légal YouTube bot? Je sais pas du tout si c'est légal. Regardez les conditions d'utilisation. Qui a envie de se taper les conditions d'utilisation? Pas moi. Et je pense que je vous apprends pas grand chose. Alors, on va essayer de setup un truc ici pour la création de... On a besoin de quoi déjà? Plaque de fer en grenage. Ça peut se faire, ça. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est que j'en fais 3. Ici. Ah merde. Je vais essayer de faire un truc, vous allez voir, ça peut être sympa. Voilà. Il va falloir un répartiteur. Dans South Park, il y a un épisode sur les conditions d'utilisation. Après ça, je l'ai lu tout le temps. Ah. Il t'a traumatisé, c'est ça? Hop. Oula. Mais les conditions d'utilisation, c'est important à lire hein, quand même. On a tendance à esquiper à mort parce que. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Sauf que en fait, c'est vachement important. Et je me suis mis à chanter pendant le stream. Certes, une chanson un peu naze, mais je me suis mis à chanter quand même. Soyez heureux. Surtout quand il y a 10 pages. Oui, mais en même temps, moi je me dis, si je me tape des pages de manuel d'Unix dans tous les sens, finalement, lire les conditions d'utilisation, ça va pas être si chiant. Les conditions de Twitch, on en parle qui pour. Non, faut pas en parler. Faut pas en parler. Si t'en parles sur Twitch, t'es ban. Permaban. Les recherches, c'est meilleur. Oh, c'est cool ça. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je peux plus rien faire en fait. Du militaire. Ah, fabrication d'armure. Ça, si, on en a besoin. Si je peux pas faire des popos vertes, en fait, je suis un peu bloqué pour l'instant. Pages avec 100 000 caractères par page. Oui. Comment ça, tu as l'après-midi pour le faire? En fait, ça va être un peu chaud, je crois. J'ai mal calé mon truc. Ah, déjà fini. Après, là, je suis obligé de me taper un bouquin pour un cours de réseau. Travaille pas. Je t'emmerde, j'ai bossé toute la journée, Rupsis.
J'ai bossé toute la journée, j'en ai marre, j'en avais marre de faire du putain de clémente, à faire de l'algo, des arbres dans tous les sens. C'est sympa 5 minutes, mais au bout d'un moment ça me pétait les couilles. Le mec qui rage sur ses potes en stream. Et oui, je travaille pas. T'as pas ouvert. Toi t'as pas ouvert, allez. Mais là en fait tu vois je travaille, je fais de l'automatisation. Donc en fait je suis en train de faire le cours de Ferreira, l'architecture des ordinateurs. Tu vois? Des câbles, je fais passer des bus, bus de données, bus de... tiens en parlant de South Park, tu vas faire l'analyse du destin? Je pense pas. Tout simplement parce que comme je l'ai dit, j'ai pas regardé South Park. Je pense qu'il faudrait que je commence par regarder South Park avant de m'attaquer au jeu. Sinon je vais peut-être pas tout comprendre. Bon après je connais des trucs de South Park. Oh mon dieu, ils ont tué Kenny! Par exemple, jusqu'à l'épisode où tu veux vraiment Kenny, ok, mais... Tu refais un processeur dans Factorio. Bah, à la limite, il y a des trucs logiques, on est d'accord. Il y a tout un système de logique. Et c'est où? Où c'est? Logique. Non, ça c'est explosif. Putain, elle est où la logique? Réseau logique, voilà, c'est ça. Ça fournit un calculateur, un comparateur, un émetteur de constante et un commutateur d'alimentation électrique. Eh, mais c'est toute la base de l'ingénierie électrique. Enfin, en tout cas, de la micro-informatique. Avec ça, on pourrait refaire un proco. Tu fais une unité de calcul. Bon, on va peut-être pas faire une unité de calcul à nombre flottant parce que ça, c'est un peu la merde. Tu fais une unité de calcul. Si t'as de quoi stocker des informations avec des registres, il y a moyen. Il y a vraiment moyen de refaire un ordi dans Factorio. Un ordi entre guillemets, un proco, en tout cas tu peux refaire un proco. Un petit proco sur quelques bits. Il y a un gars qui l'a fait. Ah putain, je vais regarder ça. Un coréen. Ah, il y a que les coréens pour faire ça. Je vais juste regarder ça. Désolé les gens, mais là il faut que je vois. Processeur, Factorio. Ah mais non, ça c'est pas des trucs. Putain, c'est pas ça que je cherche. Bon, je rechercherai plus tard sinon. Ah. Au moins quelqu'un me le link. Tant pis. Je le trouverai plus tard. Là de 1 heure la vidéo. Mais il y a des mecs, c'est tellement des tarés. Ouais, ok. Tu la mets dans le chat, t'es pas obligé de l'MP. Merde. Ah si, c'est ça que je voulais faire. Ok, maintenant il va falloir faire sortir tous les bordels. Coup de bras robotisé de long. Alors je fais ça pour une raison, hein. Ne vous inquiétez pas. Tu fais un lance-flamme mais tu brûles la forêt. Brûler ! Ouais, faudrait que je le fasse. Mais ça consomme du carburant et ça nécessite aussi du... Mais comment ça s'appelle ? Merde ! Chichoui. Bon, c'est pas grave. Du pétrole, voilà, c'est ça. J'arrive pas à parler, hein. C'est fou. Ma rhétorique est à son minimum. Voilà, donc on a produit correctement normalement les convoyeurs. Le Nian 4 récent. Quoi ? Oh, attendez. Oh putain ! Oh la vache ! Je suis en train de regarder la vidéo.
Le mec qui a fait ça est un malade. Le mec est... Oh la vache! Oh putain! Ah, il faudrait peut-être que je vous le montre en fait. Attendez. Je vais peut-être faire ça, comme ça au moins ça sortira bien. Capture de fenêtre. Non, pas ça. Non, ça c'est mon YouTube. Qu'est-ce que je fais? Ah, c'est ça. Ok. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, ça y est. Normalement, ça devrait être bon. Je vais cliquer sur le lien si je peux. Voilà. Et je vous le montre. Est-ce que vous le voyez? Non, c'est bon, vous le voyez. Franchement hallucinant. Toc, je vais revirer le truc. Capture de fenêtre, on va la supprimer. Oui, hop, voilà. Ok, on a repassé. C'est hallucinant. C'est super fort. Le mec, c'est un bon gros génie des familles comme on n'en fait plus. Putain. Chapeau. Alors, j'étais parti sur les bras robotisés. Robotisé qui nécessite circuit électronique, engrenage et plaque de fer. Bon, bah, les engrenages, on va les fabriquer. Les circuits électroniques, ça nécessite des plaques de fer et des câbles en cuivre. Magie, on va avoir besoin de max de plaques de fer, ça va être fou. Du coup, j'ai peut-être besoin de plus de... Putain. Oh merde, du coup, il y a du fer qui se trimballe là-dedans. Ça va peut-être bloquer tout ça. Il y a un recroll sur Factorio. Oh putain, je veux pas voir ça. Je le regarderai à la fin. Va falloir que je sorte un bras robotisé rapide pour ça. Un recrawl pour Factorio, mais sérieusement. Ils sont tous fous! Ils sont tous fous! Alors, bon, j'étais parti pour ça. Donc on va faire... 1, 2, 3. 3 petits engrenages. Parce que sur les bras robotisés, on en a besoin de combien pour un bras robotisé? Un engrenage, ok. On va faire 3. Il faudrait que je les vire. Une poubelle. Il n'y a pas de poubelle. Je me souvenais qu'il y avait une poubelle, mais en fait non. N'empêche, les poches du perso sont plus grandes à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oui. Le perso, il a un TARDIS portatif. Tiens, il faut que je vous montre un truc. Ce avec quoi je me balade le plus souvent... Attendez, je vais repasser un petit peu sur l'autre caméra. Non, hop. Juste 2 secondes. Non, pas ça. Okay. Ce avec quoi je me balade le plus souvent, parce que c'est vraiment classe. Voilà. Et c'est vachement cool. Un truc que je mets et que je porte dans le dos. Et voilà, du coup, j'ai un TARDIS dans le dos. C'est un peu chiant à montrer. Et c'est vachement cool. Le mec, c'est un gros fanboy. Totalement un gros fanboy. Voilà, ça c'était le moment de fat boy.
C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais faire des jaloux en plus. Je suis sûr. Ah ben non. Ça sort. Ah. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait les possibilités de faire fusionner des unités comme ça. Par exemple, si on peut les faire fusionner avec une seule sortie, genre s'ils font tous la même chose, ça permettrait d'avoir plusieurs trains en parallèle. Mais bon. Avec son tournevis qui tourne pas de vis. J'en ai un de tournevis Sonic en plus. J'en ai un, mais je l'ai pas ici. J'ai bel et bien un tournevis Sonic. J'ai celui du 10e. Et c'est vachement cool. Je suis quand même un putain de fanboy. Hein. C'est grave. C'est grave, docteur. Donc, circuit électronique, plaque de fer. On va faire venir la plaque de fer aussi, du coup. Sur un circuit adjacent qu'on va faire descendre là. Parce que je pense qu'on va s'installer ici. Circuit électronique qui nécessite... Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Une plaque de fer et des câbles en cuivre. On va les faire ici, je pense. Putain, déjà 23h, c'est passé super vite. Hein? Moi qui disais que j'avais live une heure, tout ça. Tiens, non, je peux rentrer dans ton jardin aussi. Putain, ça vaut mieux pas. Ça m'a tellement fait flipper. Les anges pleureurs, le premier épisode, Blink, il était horrible pour moi. J'ai plus pu dormir de la nuit. C'est affreux. La geekerie, qu'est-ce qu'il file Carrigan là? Moi je l'ai acheté sur Amazon. Ouais, j'ai celui-là. J'ai celui-là que j'ai acheté sur Amazon pour moins cher. Pour beaucoup moins cher. Je l'ai acheté, je crois, pour une dizaine d'euros. Parce que là, 25 euros. Je finis à quelle heure? Je vais finir vers minuit, je pense. Parce qu'il faut quand même que je me relève demain matin histoire de bosser un peu encore. Le pire, c'est l'homme horloge sur le lit. L'épisode avec les hommes horloges. Ouah, il était dur. Mais en même temps, tellement beau. Celui avec la Marie-Antoinette. Oh là là. Je m'en souviens, il était vraiment cool. Et en même temps, vraiment flippant. C'est assez perturbant. Avec Marie-Antoinette, ouais. Qu'est-ce que c'est bien, Doctor Who. Pour la petite histoire, je me suis fait tous les épisodes de Doctor Who, saison 1 à saison 8, parce que du coup, il y avait la 9e qui sortait en même temps, en une seule semaine. Il y a une centaine d'épisodes. Qui durent environ une heure. Et j'ai pas beaucoup dormi cette semaine-là. Ah, la flip. Mais alors, j'en étais où? Putain, j'avance pas, hein. J'avance pas du tout. Non, c'est ça que je cherche. Circuit électronique, j'en étais à là, qui nécessite les plaques de fer. Ah putain, je vais y arriver. Avec des câbles de cuivre. Ah putain. Il y a une nouvelle saison qui sort début 2017, et oui, et là je serai mais comme un foufou. Surtout que, bizarrement, celui que les gens décriaient, c'est-à-dire Peter Capaldi, donc le 13e docteur, même si c'est techniquement le 13e, mais ils disent c'est le 12e. Peter Capaldi, il a été beaucoup décrié comme étant un mauvais docteur, mais en fait, il est bien. Il est bien. Arrêtez de déconner, il est quand même bien. Et je dois avouer qu'un de mes épisodes préférés est en fait celui de la saison 9, l'avant-dernier. Heavens, je crois que c'est Heavens Sent, l'épisode. L'avant-dernier. Celui où il y a que le docteur qui fait un monologue de fou furieux. Et c'était vraiment épique. Je l'ai regardé plusieurs fois tellement il était fou. Il était trop fou. Il était trop bien. Je suis désolé. Désolé, mais il était trop bien.
Tu peux pas à ce niveau-là, tu sais. Pour de swagitude. Alors, je me souviens plus. Est-ce qu'on peut arriver à faire un pivot avec un bras robotisé long comme ça? Est-ce que ça peut tirer de là? L'OFK, aide-moi. Aide-moi, l'OFK. Est-ce qu'on peut mettre un bras robotisé long de manière à pouvoir tirer de là à là? Qui raconte la fin de sa planète? Non, non, l'épisode juste avant. Celui où il se fait TP dans une prison. Une prison où il y passe plusieurs millénaires à force de remourir. Il meurt plein de fois. Oui, ça marche. Ok, cool. Ouais, il y a le délai. Il y a le délai, je sais. Mais je l'ai réduit normalement à l'aide de l'option Twitch, machin. Là. Réduction du délai. Non, mais non. Dans l'autre sens. Non, dans le sens. Quel sens? Ouais, dans ce sens-là. Il y avait aussi l'épisode où ils avaient réuni toutes les versions du docteur. Ah ouais! Sauf fou! Sauf fou! Bah, l'épisode spécial 50 ans! C'est vraiment fou! Bah, tu appuies sur Alt pour les infos détaillées. Ouais, d'accord. Ok. Oui, mais c'est ce que je fais, je mets sur Alt pour voir les trucs, mais. Ok. Mais à chaque fois ils disent que c'est la dernière saison. Non, jamais ils diront que c'est la dernière saison, enfin. C'est pas possible. Moi, Docteur Who, je veux que ça continue encore sur des années et des années. Hein. Arrêtez de déconner. C'est tellement la seconde meilleure série du monde. Parce que la première, c'est Sense8. Par les Wachowski. Mais après, je sais pas trop quelle est la troisième meilleure série du monde pour moi. Parce que j'ai regardé quand même des très bonnes séries. Je me suis fait cet été Breaking Bad d'un coup. Une semaine aussi. Enfin, même pas, 5 jours. Une saison par jour. J'ai pas beaucoup dormi non plus. Et oui, j'ai que ça à faire. Dragon Ball Z. Ah, c'est un truc que j'ai jamais trop regardé, moi, Dragon Ball Z. Parce qu'en fait, je pense que j'ai jamais pris le train en marche. C'est quand même 42 bouquins, il faut commencer par les bouquins pour moi. Et puis, donc déjà, il faudrait que j'achète les bouquins. Pas mal. Même si j'ai un pote qui les a en plus. Il faudrait que je les emprunte. Et puis la série, c'est quand même vachement long aussi. C'est quand même une série fleuve. Les Cybermen, ils sont métal. C'est vrai. Super jeu de mots, c'est vrai. En total métal. Alors maintenant, il faut que je sorte ces satanés trucs. Alors, faut que je sorte au bon endroit. En vrai, je me suis un peu chié là pour le coup. Ah! Comment je vais gérer mon truc? Comment je vais gérer mon truc? Ah, mais si! Je suis bête. Totalement con. Avec leur machine à découper les humains pour les transformer en robots. Ouais. Ça, c'est la deuxième version existante des Cybermen, en fait. Parce que la première version, c'est juste des individus sur une planète qui ont évolué vers une... Bah, à force de s'enlever des organes pour essayer de... Bah, d'éviter qu'ils tombent en panne, ils ont fini par devenir des robots. Jamais vu Prison Break. La série Kitu et Prison Break. J'ai jamais vu non plus. Et ça m'a jamais vraiment intéressé, mais peut-être qu'un jour, je la taperai. Game of Thrones, j'aime pas. Je suis un grand amateur de fantasy, mais Game of Thrones me hérisse les poils. J'ai essayé, j'ai fini la première saison, et j'ai pas pu continuer. Pour plusieurs raisons que je vais pas sortir ici, parce que j'en ai pour des heures et des heures. Mais je suis pas très fan. Après, je reconnais que la série est bien, mais je suis pas fan. Et j'ai lu le premier bouquin, je me suis arrêté là, ça m'a saoulé.
Breaking Bad, ouais, Breaking Bad qui est excellent. Westworld, j'ai commencé Westworld, faudrait que je me mette à jour, je suis au quatrième épisode alors qu'il y en a 6 ou 7 qui sont sortis sur les 10. Mais je crois que je préfère le film de 1973 avec Yul Brynner. Après, parce que je l'ai vu en premier aussi. Mister Robot, je l'ai vu, j'ai rien compris à la saison 2. Mais rien! C'est fou! Je pense qu'en fait, ils ont essayé de continuer dans leur délire de tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Sauf qu'ils sont allés beaucoup trop loin quand t'as fini par avoir une fille qui se la joue Perforas à parler de trucs bizarres. J'ai rien compris. Je comprends pas qui sont les personnages, je comprends pas les motivations, il y a des sous-intrigues bizarres. La saison 2, elle est nulle. C'est. Enfin, en tout cas, j'ai tellement rien pané que ça m'a énervé. C'est chiant. C'est dommage, j'aimais bien la première saison en plus. Pour une fois que c'est une série de hackers, qui te prennent pas pour des cons, où tu vois effectivement des commandes Unix qui sont correctes. Ah! Et pourtant, ils ont réussi à faire un peu de la merde. C'est pas forcément de la merde en plus, c'est juste que j'aime pas ça. C'est raté. Enfin, pour moi, c'est raté. La deuxième saison est foireuse. The Walking Dead. Alors, les Walking Dead, j'ai essayé les premières fois. Puis en fait, quand je me suis rendu compte que c'était un épisode intéressant pour le début de saison, rien du tout sur le milieu, un épisode intéressant de fin de saison. Ah, et ben c'est bon. C'est un peu chiant. Et puis surtout, j'ai fini par me lasser un peu du zombie. Et quand tu te lasses un peu du zombie et que, en fait, la Walking Dead, c'est un peu. Voilà. Donc j'ai un peu lâché. Et je ne regarde plus depuis. Alors, donc j'ai fait. Je vais finir par y arriver. Les circuits électroniques c'est fait, les engrenages c'est fait, faut. Bah, en fait je peux tout faire. Oh. Allez Lucas, je peux tout faire. Sachant, est-ce que je peux les faire dans ces merdiers? Merde. Pas ça que je veux faire. Comment je fais pour changer? Ah c'est ça. Non, je peux pas les faire, donc faut que je fasse du niveau 2. Je regarde des animés, oui, beaucoup. En ce moment, je finis les. Enfin, je finis. Je suis en train de suivre Jojo Bizarre Aventure, évidemment. La meilleure série d'animés du monde. D'ailleurs, il faudrait que je m'achète les bouquins, mais il y a 113 tomes. Il y a 113 putains de tomes. Voilà. Je regarde beaucoup d'animés. En ce moment, un peu moins, mais j'en ai beaucoup regardé. Le premier animé que j'ai regardé. Vous allez rire, parce que ceux qui connaissent, hein, ils savent que c'est pas simple comme animé, c'est Evangelion. Neon Genesis Evangelion. Wouah! C'était le meilleur démarrage du monde pour commencer à regarder des animes. C'était pas simple. C'est qui, Tom, que je sors? Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Kaizorn? Après, je lis pas mal de mangas, hein, évidemment. Du coup, je regarde pas mal d'animés aussi. Alors. C'est vrai que ça. Il faudrait que je fasse la liste des animés que j'ai regardés. J'en ai tellement regardé, ça va être long. Genre, je ferai un My Anime List, comme tout bon otaku qui se respecte. Alors. Laisse tomber, c'est une blague nulle. Ok, je l'ai pas comprise. Chercher des trucs. J'ai assez de plaques de fer et de plaques de cuivre. J'en ai beaucoup, hein, putain. Oula, j'ai aussi beaucoup de petites. Ah mais j'ai oublié de lancer des recherches. Ah le con. Ça va vite, hein. Alors. Je vais peut-être avoir un problème à ce niveau-là. Ah, SAO, bien sûr que je connais SAO. J'ai les 4 bouquins sortis en France, donc les 4 light novels, donc en fait les 8 premiers tomes du coup. J'ai tous les DVD, enfin en Blu-ray en plus. J'ai SAO Progressive, tome 1 à 4, je crois qu'il y en a 4 de sortie. Ouais, donc j'ai beaucoup de choses à SAO, ouais. Et je connais aussi, enfin je crois que je préfère
L'autre série du même auteur, Rikiki Awahara, je préfère Axel World. C'est la suite, entre guillemets. C'est dans le même univers 40 ans plus tard, et je trouve que c'est un peu mieux. Même peut-être parce que j'ai commencé par Axel World avant de regarder SAO. Mais je crois que je préfère Axel World à SAO. Mais c'est SAO, c'est bien aussi. Hein. Mais après, SAO a un problème, c'est qu'il fait quand même hyper kikou. Il fait quand même hyper kikou. Ah oui, avec le cochon, ouais. Ouais, mais il faut outrepasser le chara-design un peu perturbant du personnage principal. Et après, c'est quand même vachement cool. Moi, j'aime beaucoup. J'aimerais avoir une suite. J'aimerais avoir une suite. Il y a un film qui est sorti, mais je l'ai toujours pas trouvé en version piratée. Il est passé au cinéma en France en milieu d'été, fin août. Fin août, je crois. Il est passé au cinéma en France, mais évidemment, au Grand Rex de Paris. Et les Lyonnais et toutes les autres villes de France, en fait, ils se sont fait enculer parce que fuck you! On ne va pas passer de film d'animation, oula, pardon, japonais, en France, ailleurs qu'à Paris. Putain. Ouais, je rage un peu, je sais. Et boum, ben c'est tout bien tout ça. Donc, là, on est bon, il ne faut plus que des bras robotisés longs. Et il faut que je décale un petit peu au niveau de l'énergie. Il y a pas longtemps, t'as regardé Death Note. Ah, Death Note, c'est aussi des bombes, ça. J'ai lu Death Note, j'ai regardé Death Note, j'ai lu Bakuman, je parle des mêmes auteurs. J'ai lu Bakuman et j'ai regardé Bakuman, qui sont aussi très très bien. Et j'ai lu Platinum End, donc j'ai pour l'instant tous les tomes, qui est la nouvelle série des créateurs de Death Note, qui est vraiment cool. C'était ouf le brain. Bah là, si tu lis Platinum End, c'est quasiment pareil. Enfin, c'est quasiment pareil. C'est même principe que Death Note, dans le sens où c'est de l'enquête, c'est de la réflexion. C'est pas du combat, c'est de la réflexion. Et c'est avec une pointe de surnaturel qui du coup rend le truc compliqué. Avec des règles bien définies et tout. C'est vachement cool. Allez, maintenant on va fusionner tout ça. Fusion! Et on va tout mettre dans. Bah du coup, je pense que ça passe. Est-ce que ça passe dans les assembleurs normaux? Oui, ça passe dans les assembleurs normaux. Non, pas ça. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Non, non, mais tu... Qu'est-ce que tu... Voilà, c'est bon. Hop, on va monter. Il reste encore des gens sur ce stream? Ouais, on a encore plein. C'est cool. Il est en animé, Platinum machin chose? Non, il est qu'en manga. Parce qu'il vient de sortir, il y a bientôt le troisième tome qui sort en France. Fin novembre. Et c'est vachement cool. Mais regarde les scans au pire, hein, si tu veux. T'as envie hein, de regarder. Hein. À moins que tu sois pas bouquin aussi. Arrive. Même si bon, les mangas. Puis surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les auteurs de Bakuman et Death Note, au départ, ils étaient dans le Shonen Jump, donc un manga, le plus gros manga de prépublication japonais, le plus gros manga journal de prépublication de manga japonais, et qui est hebdomadaire, donc une fois par semaine. Et là, ils sont passés en fait sur un autre journal de la même maison d'édition qui est mensuel. Et du coup, le fait que ce soit mensuel, ça rend la chose vachement complètement différente. Il a un dessin de fou. Ah, vache. C'est totalement différent de Bakuman ou Death Note. Là, tu sens qu'ils prennent le temps de dessiner. C'est ah, dingue. C'est assez Inception de voir des bras robotisés prendre des bras robotisés. Si, mais c'est juste que ça coûte cher. Ouais, ça coûte cher les mangas. Ça coûte tellement cher. 7 euros le tome en moyenne. Donc je vais finir cette merde. Là, faudrait que je les fasse arriver. Non, pas dans ce sens-là.
En fait, faudrait que je les fasse arriver là. Là. Comme ça, vous allez voir ce qui va se passer. Et hop, comme ça, il y a les deux qui sont disponibles. La série de tomes Neon Genesis Evangelion, en théorie, n'est pas encore terminée. Ils devraient relancer les nouveaux tomes il y a quelques années, mais ils sont très loin à sortir les nouveaux tomes, je crois. Non, la série qui est canon de Neon Genesis Evangelion est, elle, bien terminée il y a quelques temps. D'ailleurs, je vais le vérifier, mais je l'ai vu passer les derniers tomes. Je les ai pas achetés, il faudrait que je le fasse. J'ai vu passer comme quoi c'était fini, mais attends, dégâts des cartouches, on s'en fout, parce que ça je le ferai beaucoup plus tard. Ouais, bon, à la limite on peut le lancer au pire. Je vais juste vérifier sur Manga News, je crois, mais normalement c'est fini. Normalement c'est fini, Neon Genesis Evangelion. Ah putain, c'est... Oh, mais moi je veux le manga. Le manga de type canon, hein, celui qui est là... Celui qui a été commencé en 95. Ouais, c'est ça, 14 tomes terminés. Mais c'est vrai que les deux derniers tomes étaient hyper longs. Et c'est aussi une version alternative d'Evangelion. Faudrait que je la regarde. Il y a tellement de versions d'Evangelion. Ah, j'ai regardé Tokyo Ghoul aussi, c'était bien gore. Alors, Tokyo Ghoul, j'ai essayé, et puis en fait, j'ai pas vraiment accroché derrière, du coup, bah, j'ai pas continué plus que ça. Faudrait que je me relance dedans, je pense que j'ai pas assez essayé. Ouais, c'est fini. Cette série est en cours, attends, mais non, mais... Manga News me dit que c'est terminé, hein. Bord de rien. Bon, Je sais pas. Peut-être que Glénat, c'est pas à jour. Manga News, je pense que c'est à jour. Hein. Ils sont généralement bien au courant des sorties correctes. Hein. Alors, on va aller faire venir toutes ces merdouilles ici. C'est parti. Il va me falloir pas mal de tapis roulants. Un convoyeur souterrain. Ah, voilà. Après, SAO m'a pas mal déçu car mal exploité. Genre, il aurait pu faire 200 épisodes dans le jeu SAO. Oui, c'est la principale critique que je fais à SAO d'ailleurs. Mais tu sais qu'il y a une version qui corrige tout ça? Ça s'appelle... Sword Art Online Progressive. C'est une série de mangas qui est scénarisée par Eki Kawahara. Je lis le chat en même temps, je vais finir de répondre. C'est une série de mangas qui est scénarisée par Eki Kawahara, donc l'auteur de SAO, et qui du coup est dessinée par quelqu'un d'autre, qui met longtemps à sortir, les tomes mettent longtemps à sortir. Mais en fait, c'est la conquête d'Enkrad, du point de vue d'Asuna, étage par étage. C'est plutôt long. C'est-à-dire que du coup, t'as toute l'histoire, t'as tout ce qui s'est passé derrière. Et c'est vachement cool. C'est ce qui manque à SAO en fait. Et en même temps, tu sais que... Et SAO, par sa construction, devait faire comme ça, parce que c'est un truc qui, à l'origine, n'était qu'un fan, un brouillon écrit en ligne, qu'il a essayé de vendre au Dengeki Bunko, qu'il n'a pas gagné, et qui, final, qui a réussi à le faire publier derrière. L'histoire SAO, elle se finit au premier tome, elle se finit quand SAO est terminé. Et même dans l'animé, il y a énormément de choses qui sont rajoutées sur des tomes suivants, par rapport aux tomes suivants. Quand tu lis Quand tu lis les light novels, donc chez OFLB, ils sont sortis, le premier tome, en fait, est divisé en deux. Parce qu'en fait, le premier tome, c'est les deux tomes japonais. La première partie, en fait, c'est la conquête d'Enkrad, où il commence dans le jeu, et après, il y a juste la partie finale. Il n'y a rien au milieu. Et tout ce qui est au milieu, les sous-quest avec toutes les nanas qui lui tournent autour, tout son harem, c'est en fait dans le tome 2, qui a été écrit longtemps après. SAO n'a pas été conçu pour être publié. Du coup, c'est pour ça qu'il est bizarre. Tandis que la suite de SAO, donc tout ce qui est Phantom Bullet et les deux autres derrière, plus le méga arc qui dure sur plus d'une dizaine de tomes au Japon, ça par contre, ça a été fait pour être publié. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Pour l'instant, mon arc préféré, c'est celui de Phantom Bullet.
Ouais. Il est plus mature l'extension de SAO? Pas vraiment. Un peu moins. Il y a quand même, c'est quand même pas mal de fanservice. Mais bon, SAO c'est quand même aussi beaucoup de fanservice. Attendez, je vais essayer de rappeler un peu. Pourquoi tu construis sur cette putain de réserve de fer? Bonjour au passage. Bonjour, Live Edwin. Parce que, en fait, comment te dire? J'ai un peu complètement explosé les stats pour faire une partie à la con, en fait. J'ai explosé les stats de départ, du coup, j'ai du fer à foison partout. Je m'en fiche, je veux construire dessus, je m'en tape. C'est un peu n'importe quoi. L'extension de SAO n'est pas plus mature, vraiment. Bon, ça, c'est un... Par contre, non. Mais il semblerait que le nouvel arc qui va bientôt arriver, qui est actuellement inédit en France, l'arc Askylation, je crois, s'appelle comme ça, et ben lui est beaucoup plus mature. Et beaucoup plus complexe. Et pareil, c'est le meilleur arc de SAO depuis le début. Wait and see, moi je vais le lire. Ce qui est cool, c'est que ce soit plus mature, genre Death Note. C'est pas du tout le même genre, mec. C'est pas du tout le même genre. Ça fonctionne tout ça ou pas? Ah oui, c'est juste super lent en fait. Peut-être que j'en rajoute d'autres. Parce que là, ça va être vite lent. Hop, on va rajouter deux. Et j'ai des problèmes d'électricité, faut que je les résolve. Parce que là, ça craint. On voit qu'il y a l'électricité qui part à fond. Juste moi qui coud. Après, c'est un style. C'est juste un style. Si tu veux des trucs moins qui coud de piéger dans le jeu. Je te conseille, comment ça s'appelle, No Games No Life, Log Horizon, très bon light novel aussi, Log Horizon est aussi très bon animé, No Game No Life super animé, même si le light novel n'est pas sorti en France. Ah. On va pouvoir commencer à... Allez, réseau logique, on s'amuse avec les réseaux logiques? Allez, comme ça l'OF pourra nous... m'aider sur les réseaux logiques. Comment que ça fonctionne. Hop. On va aller régler ce problème d'énergie là. Parce que là ça craint un peu. Ah mais c'est pas assez chaud. Pourquoi ce n'est pas assez chaud? Ça, c'est un truc que je comprends jamais. Des fois, le... Ça chauffe plus. Plus assez. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ça me fait un peu chier. Bon, bah, du coup, je vais en refaire. Hein. On va en refaire, du coup, un doublé. On va les 4. 1, 2, 3, 4. Et je n'ai pas fait la quatrième. Voilà. Allons-y. On va faire un petit peu de tuyauterie aussi. Bien l'espace 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hop. D'ailleurs, il y a une série Death Note sur Death Note qui va sortir sur Netflix en 2017. Non, je crois pas. Hein. Je me tiens au courant des trucs Netflix, mais je crois que c'est comme pour le coup de... Comment ça s'appelle? De la série Netflix qui était censée sortir sur Zelda. Je crois que ça n'existe pas. Il y a un film live qui est prévu à Hollywood. Il y a un ratio à respecter pour l'eau température. Genre 14 boîtiers sur 10 Steam Engine. Mais attends. Qu'est-ce que tu veux? Il y a un ratio à respecter pour l'eau température. Genre 10 boîtiers, 14 Steam Engine. C'est-à-dire... 10 boîtiers, tu veux parler de... La chaudière? Les Steam Engine, je veux bien que ça soit la turbine à vapeur, ça j'arrive à comprendre, mais... Ah d'accord! Donc 14 sur 10, ce qui fait 1,4. Donc en fait j'ai pas assez de... Oula putain, par contre ta température elle vient de baisser à mort là, il se passe quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Je vais installer le reste mais c'est bizarre.
Qu'est-ce qui se passe? No Game No Life, les questions matures, c'est pas trop ça non plus. C'est vrai, mais c'est différent. J'aime beaucoup aussi. Par contre, Log Horizon, c'est une série que je trouve plus complexe, plus réfléchie, mais après, ceci est mon avis personnel. Ouais, c'est beaucoup plus complexe, et en même temps, il n'y a pas vraiment le concept de mort. Ça reste un MMORPG, mais ça n'a pas le concept de mort, et ça arrive à être innovant, et c'est vachement cool. Winter is coming. Attends, je vais regarder. Série Netflix, Death Note. Ah, c'est un film Netflix live action. Pas pareil. Pas une série. Un film Netflix. Bien ce que je me disais. Et le cast a été annoncé. Tu mets 14 boîtiers en série, là où tu fais chauffer de l'eau, et tu pars sur 10 steam engine turbine à vapeur. Oh putain, 14! Pas de question de mort, ouais, dans Log Horizon, il n'y a pas de question de mort. Par contre, effectivement, il y a la question de est-ce que tu veux perdre la mémoire ou devenir fou à la fin? C'est pas cool non plus. Je sais ce que je vais faire. Au lieu de creuser comme un abiati, hop, 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 hop. On va voir, ça va être beaucoup plus efficace. Oh, c'est magique! Tu as aimé 14 boîtiers avec une pompe. Ah, il faudrait que je fasse une pompe derrière. Alors, on va faire du coup pas mal de boîtiers. Comme ça, je vais faire masse d'électricité. Voilà, on s'en est débarrassé. Sinon, on en parle d'Attack on Titan. Ah oui, Attack on Titan aussi, c'est pas mal. Il y a la saison 2 qui sort cet été. L'été. 2017, pareil pour... comment ça s'appelle? Nanatsu no Taizai, saison 2 l'année prochaine. Oh les mecs, ça va être trop cool. Parce que ça aussi c'est des bonnes séries. Et là je suis en train de lire les Witcher. Et j'ai envie d'une série Netflix Witcher. Ça peut être tellement épique. Tellement épique. Il y a tellement moyen de faire un truc de fou. Donc en fait, si je mets plusieurs pompes, 14, une pompe, 14 boîtiers, 10 steam, une pompe suffit pour avoir assez d'eau, 14 boîtiers pour avoir assez de température suffisante pour les 10 steam engine. Ok, vous m'aidez beaucoup. Alors, du coup, on va partir, je vais carrément déconstruire ça. Et en fait, question, il faut les mettre tous d'un coup les fours ou pas? Ou est-ce qu'il faut les intercaler à certains endroits? Bonjour la pollution. Oui, je ne suis pas écologique du tout. Je le revendique. Ah, les réseaux logiques sont finis. Les réseaux logiques sont finis. Hey, on va peut-être lancer l'énergie solaire? Je sais pas. Ah, il y a le pétrole aussi à faire. Trop de trucs à faire. Trop de trucs à faire. Alors, ça c'est des choses simples, j'en ai d'autres avec le splitter pour faire des mélangeurs parfaits. Oh, ok. Car sur la S2, ça parlait d'un bataillon. Ah, Attack on Titan, ça parlait d'un. Non, Log Horizon, qu'est-ce que je dis? Ça parlait d'un bataillon qui a fini par perdre tout raisonnement à cause de mourir à la chaîne vu qu'ils avaient un hôtel de raison portatif. Oui, je me souviens de ce passage-là. Ça fait longtemps que je l'ai pas regardé la deuxième saison. Alors, il me jure. Oh, énorme! Ton 6 to 8. Ah, c'est fort! Un Demux! C'est un 16 to 8. C'est un démultiplexeur! Mais pas logique.
C'est vachement fort. C'est cool. Moi, il s'appelle le truc avec les machins de résurrection. Lord Garrison. Et ça marche bien? Bah, je pense. Aidez-moi, où est-ce que je mets le... Où est-ce que je mets les fours? Est-ce que je les mets au milieu? Est-ce que je les mets à... Est-ce que je les mets à d'autres endroits? J'ai besoin d'aide, là, pour le coup. Alors déjà, je vais poser la deuxième pompe. Voilà. Y'a personne qui veut m'aider. Ok. Je vais me débrouiller tout seul. Je vais bouder dans mon coin. Tout au début. D'accord. On va bourriner. Est-ce que j'en ai 14? Je suis allé un peu vite là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Putain. 11, 12. Oh la vache. Putain, je suis con, pourquoi je les pose en premier? Putain, le crétin des Carpates. Ah, j'ai plus de... Pourquoi je l'ai posé en premier? C'est ma faute. Centrale nucléaire, c'est dans la prochaine mise à jour. Ou peut-être dans la salle d'après. Mais normalement, c'est la prochaine mise à jour. L'abruti qui a pas posé tous ces trucs. Alors... 14 boîtiers, 10 teams. Ah oui, d'accord, dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Oh putain. Ça m'a l'air vachement débile comme truc. Du coup, je vais peut-être virer. Bon, je vais laisser là cette merde. En attendant, mais c'est pas très grave. C'est pas vraiment un central, c'est plus un truc à vapeur à 500 degrés. Ouais. D'ailleurs, je crois qu'ils ont rework la façon dont la vapeur fonctionnait. Avec des tours de refroidissement. Alors. Ok. Pouf. La vache, c'est vachement beau. Température 100, 100, 100. Là, vous m'étonnez que la vache. D'un côté, la vapeur et l'autre, l'eau chaude à inférieur à 100 degrés liquide. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'avais vu. Et... Il split la vapeur. Il se considère l'eau à plus de 100 degrés comme étant de la vapeur. Bon, bah ça avance bien tout ce bordel. Ça fait quoi sur la carte? Ouais, ça fait... Mais c'est moi ou ça fait une sorte de doigt d'honneur? Comme ça. C'est bizarre. Et oui, c'est puéril. Donc là, il faudrait que je passe sur les fournitures de recherche numéro 3 que je n'ai pas encore débloqué. Pas cool. Hey, ça recherche lentement, je trouve. Ça recharge vraiment lentement. Attends, je cherche quoi? Logistique 2. Ah oui, on avait dit que on allait s'attaquer à... Radar. Scan des secteurs voisins et révèle une zone autour de lui. C'est nouveau, ça. Il n'y a pas de monstres du coup? Si, il y a des monstres, mais j'ai désactivé le fait qu'ils m'attaquent. Il y a des monstres, il faut aller juste les trouver. Alors. Les trucs logiques. Putain, j'ai encore des popos vertes, faudrait que je les mette. Je vais essayer de faire des trucs logiques. Comment ça fonctionne, ces merdes?
Comment que ça fonctionne? On va essayer de commencer par faire le... Alors... Bon, on va prendre tous les trucs. Je vais en prendre 5 de chaque. Ouais. Et on va essayer de voir comment ça peut fonctionner. Je vais stocker le reste. Avec le système logique, tu peux, par exemple, désactiver une partie de ton usine en fonction du niveau de charge de tes accumulateurs. Oh, c'est fort. Oh, c'est vachement fort. Ah, les bonus, d'accord, c'est ça, c'est... accélération, tu récupères. Accomplissement. Construire une locomotive à vapeur. Chercher des technologies de raffinage du pétrole, rechercher toutes les technologies, finir le jeu. Déclencher une attaque alien à cause de la pollution. Construire 100 machines à l'aide de robots. Oh, ça va être dur. Hein, ça. Parce que je m'en sers jamais. Un million de circuits électroniques. Produire 10 cas de circuits électroniques. Avancer par heure. Oh. Ah non, 1K. Ah, 10K. 25K. Les mecs qui font des usines pareilles. Le trône de fer. Easy peasy. Ouais, mais pas moi. Moi, je suis une grosse bite. Je suis une grosse bite géante. Alors. Hein? Un calculateur permet de faire des opérations arithmétiques sur les signaux du réseau logique. Entrée. D'accord, donc tu peux choisir quelle est l'opération. What? Histoire de se réchauffer les mains. Hein? Oh, c'est pas grave. Elfima, salut, 20 millions, j'y sors en 3 minutes, lol. Oui, voilà, ça, comme dirait Lémis, tu sais jouer. Moi, je sais jouer moyennement moins. Je suis pas newbie, je suis pas expert. On va pas s'énerver. Il faut faire haut, bas, gauche, droite, gauche, droit, BAB. BABA. Et c'est le Konami Code, ça, non? Genre, haut, bas. Gauche, droite. BABA. C'est genre, si ça fonctionne. Bon, j'ai rien qui se fasse. Oh, t'es trop drôle. Alors, en fait, si tu... Un signal, sélectionner un signal. Dans mon usine, une fusée par minute, j'entends. Putain. Ouais, si tu fais des trucs de gros malade aussi, je suis nul. Hein. Comment ça se passe? En fait, on peut faire arriver un truc sur un tapis roulant? Pourquoi en sortie, on aurait des items? Je comprends pas. Méthode constante. Comment que ça fonctionne? Ça fait quoi ça? C'est une autre sortie, ok. Sur le vert, d'accord, il y a un truc vert, tu mets une constante verte. Ouais. Comment... Hein? Je ne comprends rien! Ah, d'accord. Ah! Là, je comprends plus. Des symboles Illuminati sur le chat.
Là, je comprends plus. D'accord, symbole fou. Quoi? Qu'est-ce que je peux lancer? Ouais, l'énergie solaire à la limite. C'est des signaux. Quand tu lis qu'un coffre, la quantité est sur son signal. Ah oui, mais il faut des coffres intelligents, non? Ça marche pas avec des coffres intelligents, ça? Les commutateurs d'alimentation électrique. Oh, c'est bien foutu. Non, plus maintenant. Ah d'accord, il n'y a plus besoin pour les coffres. Donc si je pose un coffre à la con, genre un coffre en bois. En fait, faut, pour jouer à ce jeu, faut bac plus 12. Je pense pas, mais je pense, c'est, ça, ça m'a pas l'air... Ah, ok, d'accord. Oh, mode de fonctionnement, lire le contenu. Lit le contenu, il envoie au réseau logique. Hein. Donc si par exemple je mets des cailloux. Donc ça veut dire qu'il y a signal de réseau logique. Ah, putain. Ah mais ça déchire tout de suite les... ok, d'accord. Donc si je mets ça, ça veut dire que... Non, et oh. On peut pas défaire les câbles ou... Ou on se les fait direct aussi. Ils partent dans le vide quoi. Chiant. Il y a plus de coffre intelligent. Par contre, tu as des câbles rouges et verts à placer pour ça. Ok. Faut lier un poteau. Un poteau électrique ? Prenons des poteaux électriques. On n'est plus. Ah, c'est l'heure de commencer à galérer. Pour voir le signal. Donc là, si je mets, par exemple, c'est des cailloux. Mais je voudrais récupérer le signal qui est... Je voudrais récupérer le signal qui est envoyé par le... Le merde, comment ça s'appelle? Le coffre en bois. Le coffre en bois, il fait une lecture de contenu. Donc en fait, ce qui est à l'intérieur, il le dit sur le signal vert. Mais d'accord. Et qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Le calculateur permet de faire des opérations arithmétiques sur les signaux du réseau logique. Ah merde, il y a des comparateurs aussi. Putain. Oh le bordel. En plus il y a la musique dramatique derrière. Oh putain, c'est plus l'heure pour faire ce genre de merde. Alors, comment ça fonctionne? Donc ça je veux bien, la comparaison, je sais comment ça fonctionne, c'est un... Inférieur, inférieur, machin. Fait coffre poteau combinatoire. Hein? Poteau combinatoire? Ouais, tu veux dire, tu peux lier au poteau électrique? Tu peux lier au poteau? Et l'utilité. Ah, il a fait passer le signal. D'accord. Donc là, il y a le signal qui est arrivé. Il reçoit le signal 3 vert, machin, là. Tout. Chaque. Donc tout.
C'est mindfuck. Ouais, je suis d'accord. Je comprends rien, ouais, je dis live Edwin. Tu résumes parfaitement ma pensée. Putain, mais comment ça fonctionne cette merde? Je comprends rien. Putain. Mais en fait, je comprends pas trop le concept de pouvoir faire des comparaisons ou des multiplications sur des items comme ça. Sinon, sur mon compte Steam, j'ai un petit tuto. Ouais. Donc comment. Et... comment... Merde. Logic Factorio. Je... Ouais, attends, je suis en train de lire. Le combinateur va additionner le nombre. Par exemple, je suis en train de lire sur Factorio.org en fait. Ici, donc il y a un combinateur arithmétique avec un plus, il y a du cuivre et du. Et des. Merde, comment c'est. Et du fer. Ici, le combinateur va additionner le nombre de minerais de cuivre avec le nombre de minerais de fer dans le circuit logique et stockera le résultat de l'opération dans le compteur du nombre de fioles de science niveau 1 rouge. Cette valeur pourra ensuite être réutilisée ultérieurement sur un autre circuit. Aussi possible de se faire spécifier une constante comme le deuxième membre d'opération. Par exemple, 1 x 2, le combinateur a deux entrées, rappelez-moi que deux circuits sont connectés en entrée dans le récepteur. Leurs valeurs seront simplement déceptées et le récepteur ne verra qu'un seul réseau logique. What? Un petit tutoriel pour les combinaisons. Ouais. Avoir besoin de ça. Bonjour à tous, on a traité dans ce sujet la possibilité d'obtenir des informations utiles dans un réseau filière principal à travers le réseau ferroviaire et pouvoir en faire un usage unique afin de libérer d'une part votre réseau ferroviaire dans le cas d'une usine délocalisée spécifique. Vos trains fonctionneront uniquement sur la demande et non constamment. Ah, c'est cool ça. Nous pourrons voir s'il y a un problème rapidement sur votre réseau de production. Nous pourrons également par ce biais contrôler aussi vos demandes d'articles finis. Pour finir, nous verrons comment contrôler les contrôleurs de guise. Pour ça, nous allons, sur notre réseau filière, utiliser le câble rouge pour les demandes et le vert pour vos stocks. Dans la ligne électrique que vous avez récupéré cette information, le rouge étant situé sur le dessus du vert. Il n'est plus utile d'avoir en tête qu'au-dessous, car au fil de reproduction, là, n'oublions pas de séparer le réseau principal et le réseau de vos usines afin de... D'avoir des informations utiles seulement. Je vais vous expliquer comment faire à travers ce sujet. Putain, je comprends. C'est l'introduction, mais je comprends déjà rien. Ça, c'est dur! C'est dur! Oh merde! Ah, les stations. Oh putain, mais il faudrait utiliser des trains. Mais moi, je veux qu'on m'explique la base. Ah, tu peux le servir des trucs ferroviaires. Wow, c'est tellement chaud. Ah, putain, je comprends rien. Bon, tant pis. Je vais réessayer un petit peu là, mais c'est... Même les cours, c'est plus simple. C'est... Tellement la complexité. Mais j'arrive pas trop à comprendre comment les signaux ils se suivent. Je sais pas quoi faire demain, tu dis tout et tu reviens avec ça en stream. Il y a moyen. Sauf que en fait demain je vais réviser mes partiels et c'est un peu la même chose. Enfin, un peu pas vraiment, mais quand même. Et je pense qu'il va falloir que je m'y colle.
Donc si je le mets un truc comme ça, j'ai ça. Donc des cailloux. On met du caillou puis du charbon par exemple. En fait, moi j'aimerais bien récupérer ce que j'ai foutu en entrée. Mon guide est plus simple. Attends, si c'est plus simple, c'est peut-être mieux. Alors, avant de comprendre les combinatoires, il est nécessaire d'avoir compris le fonctionnement des réseaux qui a une importance primordiale. Petite faute à primordiale. À vous s'offre une infinité. Ouais, infinité et de réseaux grâce aux deux câbles vert et rouge du jeu. Les deux types de câbles permettent de séparer et identifier deux réseaux facilement, enfin dans la réalité. Pour créer un réseau, il faut lier ER, mec. Désolé, je suis mon grammaire nazi, mais ça me fait un peu mal aux yeux. Chaque élément qu'on veut connecter par un film. En bref, il faut créer son réseau. Ok, ça j'ai compris. Il faut lier les trucs ensemble. Les combinatoires, je ne pas, détaille pas les fonctionnements des combinatoires, ils sont par nature plutôt explicites, ou sinon il suffit de chercher sur le site officiel. Donc, combinatoire constant, émet une valeur fixe, émet le résultat de la valeur arithmétique. Émet le résultat de la valeur de. Ah, ok, les quantités. Permet de quantifier un produit s'il est dans le. Un élément connectable au réseau, comme un coffre. Principe mathématique, nous disposons de trois produits pétroliers pour faire des combustibles, du gaz pétrolifère, de l'huile légère ou du pétrole lourd. Nous allons nous appliquer à produire le combustible sur la source la plus élevée. Logique. Pour comparer nos trois produits, il faut faire des mathématiques simples. Soit A, B et C notre produit. Pour savoir si C est le produit le plus important, si C est supérieur à A, alors X égale 1, sinon X égale 0. Ouais, d'accord, combinaison. Soit R le résultat, R est égal à X ou Y. Donc si R égale 0, alors C n'est pas le produit le plus important. Si R égale 1, alors C est le produit le plus important. Il suffit pour cela de mettre combinateur en faisant pour les trois cas A, B et C. Ah, ok, d'accord, t'as des petits calculs à faire. La préparation, placer au combinatoire, si nous avons deux conditions de multiplication à faire. Collectif des entrées combinatoires, des entrées du combinateur, décision de sortie. Ok, et après tu connectes à la petite pompe qui va pomper dans le bon sens. Oui. C'est pas simple. C'est pas simple du tout. Bon, en fait, c'est trop simple. Je commence à avoir compris, je crois. Je crois que j'ai un peu compris le bousin, comment ça fonctionne. Bon, certainement pas, mais en fait, je pense avoir un peu compris. Mais je pense qu'il faudrait qu'on puisse l'activer. Je pense qu'on peut pas le mettre en place là tout de suite. Je pense. Je pense que je vais m'entraîner dans mon coin, tout simplement. Je m'entraînerai dans mon coin. Ah putain. Ça fait un peu mal à la tête là, du coup. Oh. Où est-ce que ça en est? Putain, il est déjà perçu. Il est minuit moins 10. Il est minuit moins 10, les gens. C'est tard. C'est tardis. Tu peux lier les tapis aussi. Sérieux? Putain, tu peux aussi lier les tapis, quoi. Tu peux tout lier, en fait.
Ose me dire qu'il faut pas bac plus Zoul. Non, en fait, ça a pas l'air hyper compliqué, mais c'est juste que moi qui suis déjà teubé de base. Et il est tard, mauvaise excuse, hein. On le sait tous. Il est tard, tout ça. Et c'est vrai que c'est pas hyper facile à appréhender. Tiens, si on regardait nos productions sur une heure, tiens. C'est quoi en vert là? Celle qui a eu un putain de pic. C'est des câbles en cuivre. Hein. D'accord. C'est hyper régulier tout ça. Hein. On dirait des rythmes cardiaques. Bon, celui-là, il est peut-être un peu mort. Ouais, là, je sais pas trop dans quoi me lancer en fait, parce que les combinatoires, on va dire que je suis pas bon actuellement, c'est pas possible. Les recherches, elles sont un peu lentes. Et ça, je vais en avoir besoin en fait. Le four en acier, j'en aurais besoin. Hein, et je me suis peut-être lancé dans de la merde. Bon, pas grave. Je vais peut-être mettre un nouveau laboratoire, ça va plus vite. De toute façon, il est bientôt minuit, on va arrêter là. On aura fait 3h30, ce qui est quand même pas mal, et je me serais cassé les dents sur la logique combinatoire. Et on aura pas mal discuté, ce qui est quand même cool. Je m'entraînerai peut-être dans mon coin. Parce que là, c'était un petit peu ridiculous. Laisse de côté les combinatoires. Ouais, ouais, ouais. Là, ce soir, c'est... No, it's possible. Je t'ai fait un mélange. Déjà? C'est-à-dire quoi, déjà? On va déjà arrêter? Bah ouais, mec. En fait, j'étais censé me faire une pause cet après-midi. Enfin, ce soir. Censé faire une pause dans mes révisions, même si... disons que je me suis déjà levé à 11h ce matin. Donc je me suis levé à 11h ce matin, j'ai fait un petit peu de Overwatch, donc j'ai pas énormément bossé. Donc du coup demain il va falloir bosser encore. Tu oublies les aides et les cours gratuits que tu as fait. Ouais, les aides et les cours gratuits, ouais. Go faire un live de 24h. En révision et plus révision en live de tes cours. Ouais. Limite, demain après-midi, je fais un live ninja en faisant. Je révise mes cours, venez me voir. Galérer. Enfin, je galère pas trop, c'est juste que je sais pas trop quoi faire là sur la suite. Je refais un peu tout le temps les mêmes télés, c'est chiant. À la limite, si ça vous éclate, on en fera peut-être un demain après-midi. Y'a moyen. Y'a moyen. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On va arrêter là? Ouais, on va arrêter là. C'est plutôt pas mal. Je regarde un peu les accomplissements, mais de tordu là. Ah, des accomplissements fermés. Construire une locomotive à vapeur dans les premières 90 minutes du jeu. Ouais, bon, effectivement, vu que je peux pas aller vite, c'est pas facile, mais à la limite. Si, ça peut être faisable. Si tu mets toute ton énergie là-dedans, ça peut être faisable. Un gros poil dans la main, gagner la partie en ne dépassant pas les 111 éléments créés manuellement. Lol. La vapeur, c'est la vie. Gagner la partie sans utiliser de panneau solaire. Ton succès ne peut pas être débloqué en mode paix. D'accord. Plus de balles, je suis en train de dire le chat en même temps. Terminer le jeu sans avoir construit une seule tourelle laser. D'accord, qu'à coup de balle. Finir le jeu en moins de 15 heures. Finir le jeu en moins de 8 heures. En moins de 8 heures, ça va être compliqué. En moins de 8 heures, ça va être vachement compliqué. Salut encore et merci pour le poisson. Quoi? D'accord. Pour les 10K arbres. Mais j'y suis pas encore à tout ça, clairement. Bon, bah c'était quand même sympa ce soir. On va passer sur la webcam. C'était quand même bien sympathique ce soir. J'espère que ça vous a plu. Hein. Moi, ça m'a vachement plu. Ça m'a fait un petit peu... ça m'a changé un petit peu. 8 heures, ça passe si tu as l'habitude.
Oui. Vous l'envoyez dans l'espace, le poisson. Vous l'envoyez dans l'espace. Quoi? Envoyez un poisson dans l'espace. D'ailleurs, j'ai appris un truc que je savais pas. Mais tu peux survivre dans l'espace. Dans le sens où tu ne meurs pas instantanément. C'est-à-dire que dans les films ou ce genre de trucs, on voit toujours les gens qui explosent. Ou qui gèlent. En fait, c'est faux. Tu peux pas. Ça marche pas comme ça. Alors certes, tu ne survivrais pas plus d'une quinzaine de secondes dans le vide de l'espace. Mais c'est possible. Parce que tout simplement, on pense que l'espace est froid. Effectivement, il est froid, il y a moins de 273. Sauf qu'en fait, il n'y a rien. Il n'y a aucune surface d'échange... L'espace, c'est vide. Il n'y a aucune surface d'échange d'énergie. Du coup, tu ne peux pas transférer d'énergie de ton corps qui est chaud à l'extérieur qui est froid. Il n'y a rien. En fait, il n'y a rien pour transférer. Il n'y a pas de surface. Du coup, tu ne perdras pas le... Tu ne gêneras pas instantanément. Après, pour l'explosion... L'explosion, c'est tout simple. C'est parce que c'est pas comme si tu essayais... Nous, actuellement, on est à une pression d'une atmosphère, là, à ce niveau-là de la Terre. Si on descend sous l'eau, on augmente les atmosphères. Et, genre, par exemple, si on se retrouve à... Comment dire, à 8 km, je crois que c'est la fosse des Mariannes, c'est 8 km sous l'eau, on est à 8000 atmosphères. Et on est écrasé. 800, je sais plus. On est écrasé, la pression est telle qu'on est écrasé. Sauf que la différence de pression entre l'espace et la Terre, c'est 1 atmosphère. Du coup, tu ne t'exploses pas. Par contre, le problème, c'est que si des fluides sont exposés à l'air extérieur, ils ont tendance à bouillir instantanément. Pas cool. Du coup, bah, les muqueuses, tout ça, ça fait blouch, et après tu meurs. Ah. Ça aurait été mieux si tu aurais réussi à dépanner le probé de l'autre avec la souris. Ouais. J'ai pas trouvé. Pas trop. Bah après, aurait fallu un peu plus regarder ce qui se passait aussi. Je suis Raikeyer qui arrive à la fin du stream. Je reviens du passé. D'accord. T'es québécois ou tu as une grosse lampe de bureau? Non, je ne suis pas québécois. J'ai une grosse lampe de bureau du Crous. Dans un truc du Crous, du coup, voilà. Est-ce que je peux vous montrer? Je vous arrache la figure. Là, j'ai une grosse lampe de bureau. Voilà. Et j'ai un poster de Kill la Kill tout en haut. Et un joli poster à droite. Voilà. Je comprends plus rien. Kayer qui arrive à la fin qui comprend plus rien. Tout dépend si tu utilises le MHD ou pas. Le MHD. Le Dalek en poster. Oui, le Dalek en poster derrière. Un joli petit Dalek en poster. J'ai enfin fini mon braquage avec des... J'étais à 5, j'étais avec des gogoles. Ouais, ça arrive. Hein. Ouais, quand je joue avec des tanches sur Overwatch, j'ai envie d'hurler parce que moi je joue merci en permanence. Quand t'as un Genji qui te saute sur la gueule, qui a personne pour te protéger, t'es là. Bande d'abrutis. Voilà. Bon, n'empêche que c'était bien sympa cette soirée, j'ai bien aimé. Je me suis bien éclaté. Je ne sais pas trop quand va être le prochain stream. Par contre, le problème c'est que je sais pas trop quand. J'ai mes parcelles qui finissent jeudi prochain. Quand est-ce que je peux faire mon chaîne? Peut-être demain, du coup, un stream ninja où vous me voyez bosser. Ça m'étonnerait, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Et sinon, la semaine prochaine, si j'ai... J'espère que j'ai rien. Si oui, samedi prochain, j'aurai un petit stream. Plus Selfima. Ah, mais je vois que je reviens juste à temps. Mais t'inquiète, il y aura le replay demain matin. Demain après-midi. Demain soir. Après-demain soir. Je sais pas. Il y aura un replay. Je veux juste regarder moi un peu de temps rapidement. Savoir. Non, pas développer. Savoir si je peux restream la semaine prochaine quelque part. Ah, il y a un truc. Ça continue. Traitement avancé des matériaux, je vais lancer. Alors. Semaine prochaine. Oula. Oh putain, vendredi, j'ai plein de cours. Je vais dire vendredi soir, mais peut-être que vendredi soir j'aurai quelque chose. De microprocesseur assembleur vendredi. Ouais, ça va être compliqué en milieu de semaine. Samedi, je pense qu'il y aura du stream. Ouais, mais tu pourras pas me parler, oui, c'est sûr, mais
Mais bon, c'est pas grave. C'est pas très très grave, j'en ferai des lives. Hein. J'ai pas activé les notifs Twitch. J'ai pas activé non plus. Mais je suis pas seul non plus. Si. Crane, mais je crois qu'il stream plus trop en ce moment. Voilà, bon, c'était quand même vachement cool, j'ai bien aimé. On va arrêter là le petit stream. J'espère vous revoir au prochain stream ou sur ma chaîne YouTube, hein, évidemment. Petite vidéo toutes les 4 jours, toujours. En ce moment, c'est du Prison Architect et vous avez l'air d'apprécier, c'est plutôt cool. Et voilà. Samedi avec les combinatoires? LOL, on va essayer. On va essayer, j'espère. Le mec qui arrive à la fin. Moi aussi, j'ai bien vu. Voilà, on va arrêter là. Je sais jamais comment. Massir 94 qui arrive aussi à la fin. Je sais jamais comment finir un stream. Voilà, bon, on va essayer de conclure comme ça. Portez-vous bien d'ici le prochain stream. N'hésitez pas aussi à venir passer sur la chaîne YouTube, tout ça. Venir me suivre sur Twitter. J'ai un petit compte Twitter. Le lien est dans la description. Puis voilà. Sur ce, portez-vous bien. Et à samedi prochain pour ceux qui seront là et si je stream. Ciao, ciao! Ah oui, et puis j'ai toujours pas fait de scène de fin de live. Donc ça va être la scène de départ. C'est pas grave.